YouTube Greux, c'est Sean Gazma YouTube. Alors, petite précision, cette VOD n'était pas du tout prévue à la base. Elle va être grasse, elle va être grosse, elle va être longue, elle va être gourmande. C'est Twitch qui l'a réclamé. Aujourd'hui, messieurs, dames, on va boucler l'ensemble des quêtes liées à la milice. Mais pas que, puisque tu l'auras vu, je pense, sur la miniature. On va s'occuper du nouveau commandant de tout ce bordel, puisque Deathrock est de la partie. On l'a découvert dans l'épisode précédent, le supposément final, même si c'est pas totalement l'épisode final, puisqu'il nous reste encore celui d'Enigma à faire pour voir la véritable fin, et la fin tout court en fait, puisqu'on n'a rien eu jusqu'à présent. Mais quelle gourmandise! Quelle gourmandise incroyable! Alors on est rejoint par Ratmal, le seul, l'unique, le vrai, messieurs dames, celui qui fait toute la différence à Gotham City. Et du coup, on va avoir pas mal de taf. Je sais pas combien de temps ça va nous prendre, toi seul le sais YouTube, puisque tu es omniscient et que tu vois dans le turf. Mais en gros, il me reste à faire et à terminer les blindés dangereux, les contrôles des routes, les fameuses tours de guet et les zones de désarmement avec le déminage. Alors juste un truc, petite précision, on vient de l'apprendre il y a quelques instants. J'avais fait des upgrades pour la Batmobile, mais en fait je n'avais pas amélioré le canon, en tout cas la puissance du canon. Donc ce qui fait qu'on va peut-être moins galérer que lors de toute l'aventure. Voilà, Kazma, c'est messieurs dames, Kazma, admirez ce talent. Alors, allons-y, merci Alfred. J'ai avancé un petit peu sur la traque des blindés parce que j'estimais que c'était un truc pas forcément important ou quoi, et surtout que ça allait prendre du temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait pas mal de mon côté, et je voulais qu'on se fasse le dernier ensemble pour qu'Alfred nous dise merci et que tu vois à quel point Ratman fait la différence dans cette ville. Et que du coup on laisse les méchants à Batman, il n'y a pas de problème. Mais Ratmai, lui, s'occupe de la canaille. Et la canaille va prendre cher ce soir. Nyaha, Ratman est un pilote hors pair. Alors on a beaucoup de choses à faire. Bon bah du coup par rapport à tout ce que je t'ai montré, il n'y a pas grand chose de plus. Mais du coup à la fin, on aura droit au boss de la milice, le nouveau boss de la milice. Et apparemment, il est en demi-teinte hein, selon les gens. Deathrock apparaît aussi dans Arkham Origin et les gens le préfèrent dans celui-là. Enfin, dans Arkham Origin, je veux dire. Donc, du coup, à voir. À voir, personnellement, je rappelle, hein, découverte totale. 100% et tout ce qui va bien. Voilà. Donc, si jamais tu es là pour du scénar, du scénarium ou de la scénarisation ou quelque chose en lien avec de l'histoire, tu t'es trompé de VOD parce qu'on va juste poter des culs. Après, si tu veux aussi, tu peux aller directement à la toute fin. Et checker le moment où je m'occupe des fesses du nouveau commandant. Et normalement ça devrait te satisfaire. Ba-ba-ba Ratman. Incroyable. Je capte des communications erratiques. Comme nous le pensions, la milice est en déroute. Bravo monsieur, bon travail. Oh yeah. Et bienvenue messieurs dames à toutes les personnes qui nous rejoignent, welcome back. Et merci à toutes les personnes qui prendront le temps de follow, sub, resub, prime, les dons, les bits, et même bah, tout ce que vous pouvez faire en fait. Vendez vos darons pour Kazma. Ok, donc on est bien, on est très 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 bien. L'objectif, je rappelle, hein, pour obtenir la véritable fin du jeu et donc activer le fameux projet Nightfall, étant de boucler l'ensemble. Donc en fait, tout sera fait à un moment ou à un autre. Je suis assez content qu'on fasse Deathrock aujourd'hui, pour la simple et bonne raison que... Je vais m'occuper d'un explosif au nord de Founders Island. En fait, j'avais prévu, dans la toute dernière VOD de l'aventure principale, de faire et Deathrock, Enigma et le projet Nightfall. Et en fait, le problème dans tout ça, c'est que Deathrock étant quand même un personnage un peu cool et que j'aime bien, ça me faisait chier de le mettre dans la même VOD. Parce que j'aurais cogité sur la miniature alors que pour le coup c'était un épisode full Enigma, tu vois. Donc fait chier. Donc voilà, à toutes les personnes qui me rejoignent ce soir. Ah là 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 là. Alors par contre les gars. Ah ouais d'accord, ça va m'attaquer sur les ponts. D'accord. Ah ouais, ça fait des trucs sales comme ça. Ok, 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 alors attends, attends, attends. Parce que là on est sur un déminage de type vous allez tous m'emmerder. Donc les gars, ils sont au-dessus des ponts avec des lance-missiles. Dommage pour la voiture. Je l'aurais bien gardé après t'avoir tué. Mais va te faire foutre toi aussi là. Ouais, donc les gars, ils sont au-dessus avec des lance-missiles. Ça va être un vrai problème. Ça va être un vrai problème. Ouais, par contre, le déminage, c'est un peu la mission du jour qui va me faire peur. Ah, je vous le dis, en vrai, j'ai hésité. Je voulais quasiment pas vous la montrer, mais je me suis dit que, écoutez, soyons mauvais jusqu'au bout. Putain, mais ah oui, d'accord.
Non mais gros, comment tu veux que... C'est à 180 degrés. Mais c'est super chaud. C'est super compliqué votre histoire là. Détruis un drone. Lui il dégage. C'est bon. Attends, il en reste un. Ah là. Et il en reste genre 150 à faire comme ça. Bah 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 bah. Exposé. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Ah mon dieu, ça va être long. Hein. Ah, ça va être si long. Allez, allons-y. Non mais en vrai, là, on est sur le déminage de l'extrême. Hein. Une fois que ceux-là ils seront faits, on va redescendre d'un coup en termes de difficulté. Hein. Ça va être bien, ça va être si bien. Oh là 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 là. Que de souvenirs. Ok, alors attendez. Poursuivons. Toujours après, sur Thunder Island. Un explosif toujours a été sur Thunder Island. À Riker Heights. Ils vont envoyer des renforts, monsieur. Bonne chance. Yep. Merci Alfred. Écoute Alfred, je suis bien chaud. Aïe. Profitons-en pour faire vraiment ceux qui sont un peu plus énervés. Ouais, je suis pas sûr que ce soit le meilleur, mais. Ouais, j'ai tout sur un niveau. Non, ça devrait le faire. Début du piratage dans 3, 2, 1. On approche, monsieur. Allez, let's go. Allons-y. 24. 24 ? Ça va ? C'est clairement pas là où j'en ai eu le plus. 24 ? C'est tout ? Ok. Rappeur HS. Tu veux pas m'ouvrir, toi ? Là. Ok. Ok. Drone touché. Non, ça va. C'est pas sur celui-là qu'on va mourir, je pense. On va peut-être prendre cher. C'est possible. Mais c'est pas sur celui-là qu'on va mourir. Oula. Niquez-vous. Batman a détruit un racleur. Batman a détruit un rat. Je ne suis pas Batman. Rattler. Je suis Ratman. Donc j'ai détruit des bats. Chulé. Encore 12 quand même. Hein. Des gros arguments ils ont. Hein. Des gros arguments. Ok. Va mourir. Ok. Allez, encore 7. Putain, 7. Un racleur amoché. Allez là, le 24 il descend pas hein. C'est bon. Diamondback HS. Là. Ok, moins 1. Moins 2. Moins 3. Finito. Facile. La cible alpha. La charge de la bombe est explosée. Question pour toi, Kazma. À quand le retour d'Assassin's Creed sur YouTube? Il manque toujours l'épisode des collectables d'Abstergo. C'est vrai. En fait, non, je l'ai juste zappé parce que j'ai été très occupé ces derniers temps, j'en avais parlé. Et je l'ai juste zappé. Et sinon, pour la suite avec Unity, je l'ai dit, ce sera à la rentrée. Ce sera quand je reviendrai de vacances. Ça, par contre, j'avais déjà dit. Et oui, effectivement, il manque une BOD. Cette bombe ou tous ces tanks? Continue, chevalier noir. C'est très instructif. Ok. Mais du coup, putain, il y a encore du taf. Hein. Ça va, il était pas trop dur celui-là. Je ne les laisserai pas menacer la ville. Ah, on va voir. Je sais pas si on fait les drones aussi parce qu'ils sont pas comptés dans les trucs de mission. Donc en vrai, ça va être un choix. Ok, allons-y. Téléchargement du virus. Tank en mouvement, monsieur. Bonne chance. Batman repéré à Otisburg. Ok, 33. Oula, il est où? Il est où? Il est où? Putain. Bah alors lui là. Bah alors le traître. Bah alors le traître. Elle est pas trop mal la zone. Un dragon te détruit. Elle est pas trop mal, genre j'ai une vraie marge. Batman a détruit un drone. Va nous décimer. Allez. Plus 24. Quoi, va mourir là. Vaisseau de la traîtrise. Batman a détruit un racleur. Allez, on prend pas de risque. Si on a le x2, on le lâche. Frappe confirmée. Enfin, après les gars, trop short, trop short, trop short. C'est quoi cette zone d'action immense là? Giga bien pour agir, en fait. C'est super grand. Dragon hors ligne. Dragon. C'est bon, j'ai déjà lâché les missiles. Lâchez les chiens. Ok. En fait, j'ai vraiment commencé par un chien. Hein, pour le coup.
Ok. Ok. Ils sont où? Ils sont où? Attends. Venez, 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 venez. Je vous attends, moi. Je peux pas trop sortir de la zone, en fait. La cible alpha a eu un drone. Allez, je vous attends. Oh non, le dernier qui reste, c'est toi, sérieux. Je l'ai touché. Eh, hey, chacal! Mais va mourir en fait! Purée, les pires ceux-là! Hein. Vraiment! Hein. La charge de la bombe est exposée. Ceux où faut sortir la mitrailleuse là? Non, casse-couille! Surtout quand ils t'attaquent de tous les côtés en même temps. On est bon! Remarquable, monsieur, comme toujours. Normalement, je pars en vacances la semaine prochaine, les Casbah. Paniquez pas, hein. Quand je parle de la rentrée, je parle de ma rentrée. C'est-à-dire mi-juillet, c'est-à-dire dans genre 2 semaines, même pas, hein. Il y a un paniquez pas, hein. Dans le parc à containers de Port Adams. Je ne peux pas le laisser là. Mais vous savez que tout ce que je vous dis là, genre ça fait 30 fois que je le dis déjà sur Twitter. Suivez-moi sur Twitter. C'est un peu casse-bonbon des fois de se répéter à l'infini. Connexion à distance. Et me sortez pas l'argument de j'ai pas Twitter, vous avez pas besoin d'avoir un compte pour aller sur Twitter. La milice dirige une énorme unité blindée dans votre direction. Ok Alfred. Ok Alfred. Près de Port Adams. Ok, j'aime pas trop ce spot. J'aime pas trop ce spot. Détruit. J'aime pas trop ce spot qui pue un peu. Oh putain, oh putain, oh putain. Ah non, j'aime pas. Oh, j'aime pas ce spot. Cible alpha, ah, ce spot il pue. Allez. En bas, HS. Mamba. Ah, j'aime pas. Hein. Il est tout serré. Cible oh là 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 là. Ah non, il pue ce secteur. Vas-y, 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 vas-y. Ok. Aïe, j'ai pris super cher. En vrai, il a des petits avantages quand même. Il a des protections pour les tourelles. Uh-oh. Allez, 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 allez. Si j'arrive à charger. Ah putain, non, j'ose pas. Non, j'ose pas, non, non, j'ose pas. C'est-à-dire, si j'arrive à charger une deuxième charge, justement, je peux m'en faire 3-4 en un shoot, en un X. Ah putain. Ah non, non, non. Ah, c'est pourri la zone à défendre là. Y'a rien? Non, y'a rien. Putain, là, 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 là. Ouais, je sais, je sais, je sais. Ah, purée. Non, non, zone pourrie, zone pourrie, zone giga pourrie. Y'a des poteaux de partout! J'ai jamais arrivé. Non, c'est pas là qu'on va réussir, je vous le dis. À moins d'un miracle. Trop de pas, subit des dégâts. Je l'ai eu. Non, mais non, non, mais non. Trop chaud, trop chaud, trop chaud, trop chaud. Waouh! Il est giga pourri le secteur en fait. Dommage. Non, non, y a trop de barrières. Je l'aurais bien gardé après t'avoir y a tué. Trop de barrières, y a trop d'ouvertures. Oh, il est pourri de chez pourri celui-là. Ok. On est où? Ok, allons-y. Monsieur, les renforts arrivent. Yes, merci Alfred. Attends, juste avant, est-ce que j'ai assez de points pour... J'ai assez de points pour faire des vrais trucs. Alors, on va prendre ça. Parfait, et on va prendre ça. On va essayer de tout mettre dans la Batmobile sur les prochains points Wentech. Comme ça, du coup, on optimise pour le déminage. On va attendre le x2. Bon, ils sont gentils, ils m'ont rendu mon x2 déjà. Ah! Et où? Plusieurs unités hors ligne. Attends, je vois pas l'ennemi. Le drone se positionne sur le flanc. Putain, d'accord. Angle mort. Et de démort surtout. Si vous partez maintenant, l'appareil explose. Je ne pars pas, Alfred. Drone touché. M'emmerde pas. Allez! Bouya! Ok, c'est maintenant! C'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant! Un drone Mamba de perdu! Mamba! Si, si, si! À un moment, je dois sortir de la zone, je pense, parce que. Ah la vache! Allez, 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 allez! Mamba touché! Putain! Je confonds avec les carcasses!
Là. Monsieur, vous devez vous rapprocher. Je sais, on sait. On sait tous. Laisse-moi me focus, s'il te plaît. Merci. Rattleur touché. C'est peut-être chiant de le faire comme ça, les casemates, mais en fait, dites-vous que moi, ça me permet aussi de rester focus sur la partie... sur la partie déminage, en fait, parce que c'est déjà assez tendu. Donc si je commence à refroidir en allant faire autre chose, genre étape par étape, moi, en termes de variation du jeu, genre ça m'aide. Ça m'aide de fou. Plutôt que de faire un coup ça, un coup ça, un coup ça, si je fais les mêmes activités à la suite, genre je reste concentré dans une même catégorie, quoi. Allez, plus que deux. Non, sérieux, mon multiplicateur! Connard! Oh, gros! Putain, j'aurais pu le garder pour le prochain, là. La charge de la bombe est explosée. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Voilà! Là, let's go! Bombe éliminée, maître Bruce. Ratman! Je serai plus coriace que ça, Batman. Encore 7! Encore 7! Oh putain, le travail, toi! Le travail! Je me dirige vers Bristol pour désamorcer un des explosifs. Attends, on a fini, Lilo? On a fini. Ok, les gars. Je me dirige vers Bristol. Normalement, on a terminé Lilo le plus dur des soins. La milice est déterminée à ne plus rien lâcher. Raison de plus pour les neutraliser, monsieur. Mais let's go, en fait! Let's go! Perfect! Alors, ça va pas dire que ça va être facile. Ça veut juste dire que normalement, on a commencé par les plus chiants. Pas d'ordinateur connecté, mais... Ah, ça avance, hein. Tanks ennemis en approche, monsieur. Ça avance, ça avance, ça avance. Je... Allez, 24. Dans le jardin botanique. Ouais, ouais, on a fait vraiment la zone où il y en avait le plus, hein. En tout cas, où ça avait l'air le plus tendu. Je sais pas si ça a vraiment été avéré, mais... je vois pas où c'est. Maître Bruce, si vous quittez la zone, la bombe explosera. Ah, je sais, je sais, je sais. T'énerve pas. Voilà. Bouya, esquive. En bas, hors ligne. Ok. Ok. Purée, mais il nous fallait Ratman depuis le début, en fait. Il n'y avait que Ratman pour faire la différence. Allez. Bam, 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 bam. Tout autour. Drone HS. Ça se passe bien, hein. Ça se passe bien. Touché. Allez, mon con. Bouya. Il est où? Purée. Je vous vois pas arriver, vous, c'est chiant. Rappeur HS. Ok. On garde le multiplicateur. On garde le multiplicateur. Allez, on essaie de le conserver. Si on peut le conserver, les gars, ce serait le feu. Comme ça, je l'ai pour tout à l'heure. Genre le prochain désarmement. Allez. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Par contre, je jouerai pas le x4 explosé. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. J'ai une question, Kazma. Est-ce que tu feras des streams mission coop avec les abonnés? Je n'ai aucune idée de comment on va faire avec Unity. En fait, le problème qui se pose principalement, et c'est aussi un choix de ma part, hein, c'est que moi je joue sur Series X. Parce que j'ai choisi cette console-là parmi les consoles next-gen. Et que je sais que majoritairement, toutes les personnes qui m'ont demandé de jouer avec moi sont sur PlayStation, ou au pire PC. Bref, j'ai quasiment personne sur Xbox. Donc je dis pas que j'en aurai pas, c'est juste que, en fait, juste ça déjà en termes de points de rendez-vous, c'est compliqué. Je vais pas ressortir ma version PS4, déjà parce que je l'ai plus, je l'ai revendu. Et ensuite parce que bah, ça m'intéresse pas, en fait. Donc je sais pas du tout comment on va faire ça. Peut-être qu'on va se faire que le solo et qu'on va laisser tomber la partie coop. Ou peut-être que je vous proposerai de jouer avec moi, mais peut-être que ce sera pas en vidéo. Franchement, j'en ai aucune idée, les gars. Moi, je suis pas contre, hein. Je suis pas contre, juste aucune idée de comment on fait ce travail. Ça fait du bien, ça fait du bien. On a commencé par l'île de l'extrême, les Kazma. Le travail est quasiment terminé déjà. Oh là là, ça avance si vite d'un coup. Non mais vraiment.
Genre c'est plaisant de ouf. Batman vient de détruire un Diamondback. Batman n'a pas ton time les gars. Batman n'a pas ton time. Batman il se boit un café. Batman au control. Par contre Batman il va garder ses missiles pour le prochain déminage. Parce que l'air de rien, dès le début quand tu pars en mode nettoyage et qu'ils arrivent à 30 d'un coup. Oh ouais, oh on est bon. Et merci à Retro Chunley pour le follow. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Voilà, on montre qu'on a du talent, nous. Explosion contrôlée réussie. Et monsieur. Non, du coup, c'est Unity n'est pas cross-platform. Et du coup, pour pas le coup, ça pose problème. Pas désarmé la... je n'aime pas les c'est bon, c'est validé. J'aime être aux commandes. Je sais, t'énerve pas, Deathrock. On continue. Je dois neutraliser l'explosif placé près de la banque de Gotham à Kingston. Allons-y. Ils ne m'arrêteront pas. Bouillant. Il n'est pas mort, bien sûr. Oh merde. C'est Batman. Piratage en cours, monsieur. Et du coup, les tours de guet, c'est quoi? C'est il faut savater des mecs et bousiller un boîtier de contrôle, c'est ça? Et pour les contrôles des autoroutes, c'est quoi? C'est juste des gars à savate en mode fight de combo. Je vois pas les ennemis. Ok, je suis aveugle. L'ennemi est parti, mais pourtant. Oh la vache. Ok, il est un peu tendu, lui. Il est un peu tendu, ils sont quand même beaucoup. Ah là 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 là. Ah, je sais pourquoi c'est tendu. Parce que c'est que des doubles lance-roquettes. Putain, oui, c'est que des doubles lance-roquettes. Mais en vrai, il n'y a pas de salve de missiles là. À se faire avec la mitrailleuse, donc juste ça. Petit feu. Juste ça, petit feu. Putain, c'est un x3. C'est un x3. Rappeleur en ligne. Allez, le x2 là. X2 qui veut pas sortir. Batman a détruit un drone. Ok. Nettoyage en cours. Un rappeleur amoché. Oula. Twin rappeleur touché. Allez, plus que deux. Plus qu'un. Il est où? T'es où, chacal? T'es où? Là. La cible alpha a touché un Diamondback. Let's go. La charge de la bombe est exposée. Avec le treuil électrique, je peux déclencher. Thunder Island est la dernière île déverrouillée, donc c'est logiquement la plus difficile. Non mais en vrai, voilà, c'est pour ça aussi que je suis content d'avoir commencé par elle. C'était un peu voulu, hein, je vais pas vous mentir. J'ai galéré sur le premier, mais en vrai ça va. Il reste 3 bombes. Je dois absolument les neutraliser. Mais vous me dites que je gère ce soir, c'est même pas forcément que je gère, c'est juste que vu que je reste focus sur un seul et même truc depuis tout à l'heure. Un seul et même type d'activité, genre forcément, genre je me rôde un peu. Tu te chauffes, tu commences à prendre les esquives et tout machin. Genre moi j'ai besoin d'un petit temps. J'ai besoin de 2 bonnes heures de jeu avant d'être vraiment rodé pour l'action véritable. Ok. On va pas en rester beaucoup là par contre. Alors, ah mais c'est la planque du pingouin ça. Aïe, c'est mal. Allons-y. Très bien, monsieur. Connexion établie. Okay. Comme prévu, monsieur, un déploiement réduit de drones est mis en place pour vous arrêter. Par contre, c'est bien ouvert. Hein. C'est bien ouvert. Ok. Frappe multiple. Drone merde. HS. Ça va, il y a de la place. Drone HS. Et on aime quand il y a de la place. Ok. Allez, on vise 2x3. On vise 2x3. Drone hors ligne. On vise 2x3. Oh là là, oh là là, on est ambitieux hein. Oh là là. Par contre je perds full le contrôle à chaque fois. Let's go. Là. Let's go. Pas tant que je n'aurais pas des armes. Let's go. Let's go. Déjà ? Pas
La charge de la bombe est explosée. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Phew. N'oublie pas d'améliorer l'amélioration de la Batmobile. Ouais, bien sûr. En fait, j'ai pas assez. Genre, je gagne un point par un point et il m'en faut genre 2, 3, non 4, je crois. Pour le prochain. Encore deux bombes. Personne ne prend Gotham en otage. Personne. Disons plutôt que personne ne peut le faire impunément. C'est vrai. Merci Alfred. C'est ça. Viens à moi. Tu as fait des dégâts la première fois qu'on s'est affronté. J'aimerais te rendre l'appareil. Genre, attends, là j'ai combien de points on a dit? Là on a 6 points. Ah si, j'ai 6 points quand même, ça monte hein. Mais en vrai. Leur cobra, je m'en bats les couilles. Stabilise le canon vulcain lorsque vous utilisez, vous permettant de tirer avec plus de justesse sur de plus longues périodes. Augmente la quantité d'énergie accumulée par l'arme secondaire d'un Batmobile chaque ennemi détruit. Oh let's go. Oh let's go, mais oui. Ah attends. Bah du coup on peut prendre les deux, donc on va prendre les deux. Hein. Prochain objectif, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors. Prochain déminage. La milice a déployé un dispositif près de Chinatown. Elle fait tout son possible pour maintenir les explosifs en état de marche. Chinatown, il y a un contrôle des routes, il est énervé. Il y a genre 4 tourelles et 30 gugus à flingue. Ça va être tendu, ça aussi. Oh putain, je le sens pas cet endroit. Oh, je le sens pas. Oh, c'est giga ouvert. Oh, je le sens pas. Un dragon détruit. Par contre, ça charge vraiment vite, hein. Non! Ils sont là. Alors je regarde pas du tout le radar hein, en général quand je suis en plein dedans. Je regarde vraiment juste les tracés. Pour ça des fois je me tourne du mauvais côté. Genre là où ça va et pas là d'où ça vient. Ah merde. La cible alpha a eu un drone. Oh merde. Ok. Dragon HS. Ça, par contre ça monte vraiment vite hein. Purée, j'aurais dû améliorer ça depuis le début. Allez, niquez-vous. Là. Ennemi, contournez. Purée. Allez, pourrie cette rue. Il y a trop d'ouvertures, trop de tirs croisés, je sais plus d'où ça vient. Ah non, mais non, mon x2. Drone HS. Gal. Diamondback touché. La prochaine fois, c'est cuit. Allez, il en reste qu'un. Il est où? Il est où? Attends, il est où? Il est coincé? Monsieur, vous devez vous rapprocher ou le dispositif va exploser. Attends, je le vois pas. Ah, ça y est, il arrive. Il s'est décoincé. Coucou. C'est bon. Nettoyage. C'était où? La charge de la là. Bombe est exposée. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Let's go. Je n'ai plus qu'un explosif à désamorcer. L'emprise de la milice sur Gotham se réduit. Mais attends, parce que s'il n'y a plus qu'un explosif, c'est quoi le dernier? Hein? Attendez, c'est la quoi le x3 du coup? Il y a des explosifs dans la ville. Il est temps de m'en occuper. Oui, et il est où le dernier? Ah, oh, je l'ai pas trouvé. Attends. Je vais m'occuper du réseau. Oui, mais attends, tu me dis, il est où? Bleak Island. Bleak Island. Ah, puis c'est où je suis en plus. Oh, mais lol. Merde. La milice ne tiendra pas cette ville en otage. Attends, je suis sur la bonne île. Neutraliser son réseau d'explosifs. Mais je sais pas où est la mine que je cherche. Ah, attends. Non, mais non, ça c'est le pointeur que j'ai mis. Ouais. Attends, je sais où il est moi je crois. Là voilà, je m'en rappelais de celle-là. Je m'en rappelais qu'elle était en contrebas. C'est bon. Virus en cours de chargement. Allons-y. Monsieur, l'ennemi a détecté notre présence et envoyé une force. Ah, par contre là l'ennemi il va bien me faire chier. Ouais. Batman, l'ennemi de deux côtés, pas ouf. Confirmé. 43 50 dans les souterrains là. Enfin dans les souterrains, c'est pas les souterrains là.
Oula. Aïe. Plus cher. Un rappeur amoché. Ah la vache. Ok. Allez, bougez-vous. Oh la vache. Batman a détruit ah oui drone. D'accord. Forcément, il devait y en avoir un comme ça à un moment. On essuie les tirs. Ok. Diamondback hors ligne. Ok. Ah, diantre. Allez, bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Batman vient de détruire un Diamondback. Ok. Non, c'est pas vrai, mon multiplicateur. Oh. En fait, dès l'instant où j'ai le multiplicateur, je lâche tout pour essayer de faire mon X. Et c'est là où en général je me prends les bastos parce que bah, j'agis pas assez vite. Ah là là. En bas, HS. Toi. Non, 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 il y en a un derrière. Purée. Il est où? Il est où? Il est où? Toi. C'est bon. Ennemi à terre. Sérieux? Allez, prends dans tes dents. Je vois rien! En fait, il est en plein milieu, ça le rend détestable. Parce que s'il était sur un côté, je pense que ça irait. Mais vraiment, en étant en plein milieu, genre en termes de zone d'action, c'est terrible. Parce que si je me mets pas au milieu pour Vespi, j'aurais forcément un ennemi dans le fiac. Diamondback hors ligne. Ah, bonjour. Maison. Ok. Tir multiple sur unité alliée. Maison. Elle est géniale cette technique. Ah. Queen Rattler, hors ligne. Non, sérieux. Non, vraiment. Vous êtes trop loin, monsieur. Ils vont faire sauter la bombe. La gueule. Queen Rattler, HS. Ok, 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 où sont-ils? Dragon détruit. Ok. Queen Rattler, touché. Il m'a fait paniquer. Il reste 4 ennemis. Il s'est pété la gueule. Tiens la position sous le feu ennemi. Oui, oh, il s'était pété la gueule. Non, je sais pas, j'ai un doute. Touché. One one, yes. Wouh. La charge de la bombe est explosée. Avec le treuil électrique, je peux déclencher une explosion contrôlée. Eh bien là. Oh. Batman. Chou. Tu es un dur à cuire. Et du coup, c'est pas fini. Tu me rappelles ce guerrier héros qui attaquait notre campement à Tropidor? On a fini par l'avoir et on a accroché sa tête à un mur. Dernière chance, Slade. Quitte Gotham, tout de suite. Dans tes rêves. Tu as neutralisé les bombes. Bravo. Mais les routes sont toujours à nous. Et nos tours nous assurent le contrôle du ciel. Mais du coup, attends, c'est fini ou pas? C'est pas fini, hein. Neutraliser toutes les tours de guet et les postes de contrôle pour affronter Deathrock. Ah, d'accord. En fait, le segment Deathrock, c'est ça. Ok, donc techniquement on a fait tous les missiles. Bon, et bah c'est la fait, messieurs dames. Contre... Alors on est à combien de pourcentage pour la fin de l'aventure? Alors attendez, juste vite fait, on est à 78%. En sachant que de toute façon la fin du jeu ne sera obtenable qu'avec Enigma. Les gars, on a fait la fin de l'histoire hier. Je sais pas à quel point vous pensez que je suis doué, mais on a commencé cette session de stream il y a 1h30 pour cet épisode. Pour l'instant. Tranquille. Tranquille, tranquille. Allez, la phase véhicule, c'est fait. Ah bordel. C'était chaud, ouais c'était chaud, c'était très chaud. C'est très chaud mais j'ai gagné grâce à la petite maison. Franchement très content de la petite maison. Par contre les gars, là ça va prendre du temps parce qu'en fait je vais avoir de la recherche à faire. Des endroits, je sais pas où il y a les bases. Alors voyons voir. Ok, voyons voir. Donc là c'est opération botage de fion quoi. Let's go. Allez on y va. Bonjour. Connaissez-vous Jésus? Race!
Mais encore une fois, encore une fois, Kazma. Vraiment, pourquoi vouloir foncer absolument sur celui qui est électrique? En vous disant que c'est une bonne idée. Alors, j'ai pas encore combattu depuis que j'ai lancé le jeu, hein, donc on va se calmer. Sur les arguments en mode oui, gnagnagna, toujours aussi mauvais. Voilà. Mais ta race. Attends, il y a trop de mecs électriques encore. Trop de mecs avec des flingues aussi. Peut-être. Faites-moi penser, prochaine intervention. Je lance les brouillères. Ok, c'est ma première fight du jour. Ils sont déjà bien énervés. Ah, c'est terrible. Tu vois, elle ne pouvait se conclure que comme ça. Non, en vrai, je me plains, mais c'est juste parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je ne me plains pas du tout du jeu. Le jeu a son niveau, le jeu fait les choses correctement. Non, c'est juste que je me suis... je me suis un peu trop speedé. C'est bon là. Ce poste de contrôle. Je dois trouver. Oh. Mais c'est terrible. YouTube, je suis au bout de ma vie. C'était le premier poste de contrôle et il m'a pris 8 heures. Le temps d'une journée de travail parfaite chez Starbuck. Je sais pas ce que c'est Starbuck. Genre Subway, Starbucks, Starbuck. Faites pas chier, je suis énervé. Oh la vache. Oh, il m'a pris trop de temps. Oh là 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 là. J'ai failli aller adopter un bébé phoque, mais c'est terrible en fait. Pour l'instant. Utilisez le mode de détection pour localiser le commandant. C'est quoi cette histoire encore? Ah. D'accord. Donc ça se termine comment cette histoire? Eh toi là. Merde. Détruisez l'appareil. C'était long, c'était long. Mais Ralfiak! Tu n'es pas aussi fort que tu le crois. Ça fait trop longtemps que tu as discuté de vrais combats. Ah oui, du coup, ça ouvre des zones de conduite en fait. Ah, mais j'avais jamais fait gaffe. Enfin, si, j'avais vu qu'il y avait des barrages, mais. Je pensais pas que pour de vrai ça donnait accès à des trucs. Il y a un poste de contrôle en place à Chinatown. Je vais le démanteler. Allons-y. Par contre, vraiment, YouTube, j'espère que c'était le spot le plus dur ou l'un des plus durs. Non, parce qu'il m'a pris trop de temps. Il m'a pris beaucoup trop de temps. Tu peux voir? Ouais. Mais c'était qui le Turquel? Mais c'est tellement pas le même problème. Mais c'est tellement pas la même chose. Mais là, y'a personne, y'a juste trois tourelles et un gogol. Mais. Eh, c'est bien la même activité. L'ami. D'accord, donc on joue plus au même jeu d'un coup. Poste de contrôle en place à Chinatown. Alors attends. Je vais le démanteler. Ok, vas-y, dépêche-toi. On dirait que les cellules commencent à se remplir. Je suis un peu rassuré d'un coup. Je suis un peu rassuré. Allez, dépêche. 10 secondes. 9. 8. 6. 5. 4. C'est bon. Et voilà. Ça va, cowboy? Je dois aller trouver le commandant et neutraliser ce poste. Ça dégage. Oh mon dieu. Ouais, je sais pas si c'était le plus dur le spot d'avant, mais quelle galère. Il m'a pris trop de temps. Et en plus, j'ai inventé une chaîne de fast-food, ça veut rien dire. Enfin, de fast-food, je sais pas encore, mais grande distribution. L'idée avec le Starbuck, c'est qu'en fait, on va prendre des hamburgers et on va les mixer avec un petit peu, ouais, je sais pas, de thé ou de boisson de chez Starbuck. Et normalement, ça devrait résulter d'un truc pas mal. Qui surveille ça devrait donner quelque chose de bien. J'ai même plus envie de parler, j'ai chaud, j'ai passé trop de temps sur cette fight. Les gars, j'ai les mains moites, je suis en sueur, j'ai à moitié envie de chialer. Dans mon costume, j'en peux plus.
C'est un lag dans mon slip, quoi. Non, mais c'est terrible. Ah ouais, non, mais je commence vraiment à penser que j'ai tapé le pire. Ah oui, alors attends, comment on le fait déjà celui-là? Dans le dos? Bazar. Merde. Comme ça. Ah oui. Oui, oui, ok. Non, je voulais juste vérifier le gros. Donc c'est LT plus B. Mais vraiment, je me suis tout tapé, hein. Les lames, les gars électriques, les docks, les mitraillettes, les brouilleurs, les ninjas, les variantes de Goliath et électriques. Il n'y avait juste pas les boucliers. Jamais. Et maintenant, c'est juste trois pélos de temps en temps. Oh là là. Oh là là, mais c'est tellement plus la même. C'est qui le capitaine? Qui est le capitaine? Hein? Attends, je suis au bon endroit là? Ah oui, 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 pardon. Ah, attendez. Piratage. T'es sûr que c'est Firefly? J'aurais juré qu'il y avait aussi un Firebug à Gotham. Et ensuite, je vais où? Et ensuite... C'est ça que je dois aller faire? Oh, j'ai peur. Oh, j'ai peur. J'ai actionné un bidule, mais je sais pas il fait quoi le bidule. Alerte. Qu'est-ce que j'ai fait? Son aura batmanesque. C'est un peu ça, hein. Oui, bah je sais pas. C'est là-bas que je dois aller? Parce que pourquoi il y a deux pélos juste à côté, en fait? Je comprends pas. Non mais les gars, je m'intéresse pas à vous, en fait. C'est ça, le truc. Attends. Mais d'ici, je peux faire quoi? Je m'en fous de ces gars-là. Ah, ça, là, c'est quoi? Peut-être ça que je cherche. Ah non, c'est les mines, ça. D'accord. Donc je dois aller par là? Attends, je vois que ça, hein. À moins qu'il y ait une autre activité juste à côté. Non, non, mais ça a l'air d'être ça. Bah écoutez, je sais pas trop ce que je pars faire. Ah, cette porte s'ouvre ou pas? Un trafiquant d'armes. Cette porte ne s'ouvre pas. Un cinglé de la devinette, un démon volant. Mais c'est lui le commandant. Putain, comment je vais le voir? Super, c'était pas du tout le projet. Ok, bon, je suis au bon endroit. Je suis au bon endroit, j'ai juste l'impression d'en avoir fait popper un autre, en fait. Ouais, c'est pas le même. C'est pas le même, ça a rien à voir. Alors attends. Mélangeons pas. Ah, c'est là! Pas évident leur bail, là. Commerce de proximité aussi, comment tu veux pas confondre? Voilà. Bon, c'est toi le commandant? C'est lui. Ok. On valide d'abord ce qu'on fait et ensuite on passe à la suite. Nia. Mais attends, il a ouvert la porte de l'autre côté? Hein? Mais quoi? Je commence presque à penser que tu as assez. Il y a deux secondes, elle était fermée, cette porte. Est-ce que la porte vient de s'ouvrir parce que j'ai activé ce truc? Non, parce que je viens de botter le cul à tout le monde là? Oh, je comprends rien. Oh, je comprends rien. Il y a des trucs un peu tendus quand même, hein. Bon alors attends. Ouais, on va voir ce qu'on peut faire de beau. Donc, là il y a pas mal de troubles faits. Mais aussi et surtout deux canons là. Les canons, ça se passe comment? Faut les désactiver ou un bail de ce genre? Oh, ça m'a l'air tendu leur bail. Oh, ça m'a l'air tendu. Ah oui, maintenant ils m'appellent carrément Wayne, en fait. Les mecs, ils ont plus le temps, en fait. Genre, vous vous êtes dit, vous avez ce droit, hein. C'est ça, hein. Utilise la Batmobile, il y a un tremplin sur Thunder Island. Quoi? La Batmobile? T'as dit qu'il te restait plus de clope. Attends. C'est pour ça qu'on a braqué cette saloperie. Là, je suis censé utiliser la Batmobile. En vrai, oui, pour les canons, je comprends. Mais, attends. Deux secondes. Faut juste que je regarde un peu, là. Mais je la ramène comment, la Batmobile, en fait? On peut peut-être le tuer, l'assassin. Ah, peut-être par en face, là? Non, 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 attends. Ça, c'est la zone à la con à côté de la tour d'horloge. Ouais. Alors, c'est vrai qu'ils sont un peu surarmés. Donc, j'avoue que si l'argument, c'est la Batmobile, ça me va. Juste...
Et ben juste... Il y a un tremplin sur Thunder Island. Ah mais c'est à côté Thunder Island, alors attends. C'est quoi cet engin? C'est pour arriver en plein milieu genre? Ah oui, ok, je le vois, enfin je l'ai vu. Alors attends, par là. C'est par là? Non, c'est pas par là. Ça doit être ça. Attends, mais c'est encore un autre truc, ça. Eh, c'est compliqué. En fait, t'as des contrôles de route qui donnent accès à d'autres contrôles de route. Eh ben... On va d'abord désactiver les flammes. Mais ils sont tellement plus simples! Putain, mais mon angoisse, le premier que j'ai fait, hein. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer par les pires, en fait. Les pires. Yaha! Ah bah c'est vrai, je l'ai déjà fait pour le déminage. Ah, ils ont un Goliath quand même. Ah, j'avais pas vu, ils ont un Goliath. Bah! Ok. Merde, j'avais pas vu le deuxième. Enfin, si, je l'ai vu, mais j'ai pas agi. Ok, ça, ça dégage. Par contre, non, c'est malin. Le fait qu'un contrôle de route mène à un deuxième, je trouve ça très chouette. Et du coup, ça aurait donné accès à des trucs de fou pendant les fights et les poursuites. Dommage. Ah, dommage. Après, faut bien connaître la map. Hein. Et du coup, quelqu'un me pose la question tout à l'heure, est-ce que je préfère la map de City ou de Night? Ça a pas grand chose à voir en vrai. Mais en vrai, les deux se valent. Mais je préfère Night. Non, je préfère Night. Parce qu'elle est plus grande, plus conséquente. Il y a plus moyen de se perdre. Je la connais moins par cœur. Je la trouve plus. Ouais, plus chouette. Ok. Let's go. Il y a encore beaucoup d'hommes qui n'attendent que de te tuer par ici. Alors. C'est ça que je dois faire. C'est ça que je dois faire. En plein dedans. Oula. Oh ouais, c'est malin. C'est malin, j'aime bien. Fini. Fini là. Oh, c'était si efficace. Oh oui, c'était si bon. C'est enfin plaisant, bordel. J'ai tellement galéré. J'ai envie de chialer, putain. Ça va quand même me prendre 3 heures, mais j'ai envie de chialer. Et bienvenue aux personnes qui débarquent, messieurs-là, installez-vous confortablement, welcome back. Petite vidéo bonus pas prévue à la base, mais finalement on rake la milice pour en faire quelque chose de bien. Par contre, je vais avoir quelques cuts à faire. Hein. Parce qu'il y a eu des moments où, j'ai perdu mon âme. Hein. Ah là 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 là, terrible. Hein. Terrible. Non mais ça avance d'un coup, ça avance. Un poste de contrôle installé près de Perdition Ridge. Allons-y. Pour très longtemps. Ces soldats ne font pas dans la dentelle, Maître Bruce. Ils sont équipés d'armes à feu et protégés par des tourelles. Mm-hmm. Ouais, 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 ouais. Je voulais juste vérifier un truc. Mais je crois qu'il y a une entrée par en haut. Mm-hmm. Attends, on est sur un autre bail là! Lâche! Oui, il y avait pas une entrée par au-dessus? J'ai vu une espèce de. De gros conduit. Et comme dirait l'autre, faut suivre le conduit. Attends. Oh non, mais deux secondes, j'ai besoin de ma vengeance là. Bonjour! Hein? Mais. Ma multi-élimination! Oh! Allez où? C'est pas vrai! Je suis un peu deck pour ma multi-élimination. Mais bon, en vrai, on la garde. Bah! C'est tellement tout ou rien. Mais c'est cool que ce soit pas ultra répétitif et que ça bouge quand même dans les variations de trucs à faire. Rendez-vous compte, hein. Le jeu est sorti en 2016. Moi, j'ai ça, j'ai rien. Ils sont où les jeux AAA qui font aussi bien? Non, mais c'est vrai. T'es mort? Oh, il s'est tué tout seul. Oh, il est complètement con, lui. L'occasion. De faire péter des trucs. Ça, il aurait fallu le faire après, donc bon.
Il me semble que cela est dur de fou. Dur de fou de quoi? T'as pas perdu ton âme tout à l'heure? Ah de ouf. Ah non mais tout à l'heure. Oh là 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 là. Mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Ça m'a vénère de terre. Voilà, attends. Tu ne t'en sortiras pas cette fois. Ça me dit pas où est l'entrée de la zone d'en dessous là. Ah attends, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Et voilà. Pas mal. Ils ont tous des flingues. LOL. C'est pas ça que je voulais, je suis mort. Ils ont tous des flingues, mais lol. Il faut que j'y rentre avec la bagnole. Putain, il y a un crochet ici. Allez. Allez. Là, j'avais pas vu. Mais bien sûr. Bonsoir. Voilà. Alors, Scoozy Scoozo, qui est les commandants? Les commandants, c'est le premier à être mort dans le champ de bataille. Mais en fait, ouais, j'ai compris. À partir du moment où les mecs ont tous des flingues, c'est là où vraiment faut sortir la Batmobile. Ou en tout cas, ça donne l'impression. Je sais pas pourquoi, des fois il le broie entre sa main, des fois il sort le batarang, je sais pas. Peut-être qu'il a besoin de se faire le poignet des fois. Ça avance, ça avance. Yeah. Ok, on continue. Je me dirige vers le poste de contrôle au nord. Bah juste au-dessus. Island. C'est ma ville. Ah mais oui. Je vais reprendre le contrôle de ses routes, une par une. Je l'ai vu tout à l'heure lui. Chasse, maître Bruce. Mais je vais où? Mais d'accord, mais très bien. Mais putain, j'en ai marre. Il est sûrement pas. Oh la vache, c'est exactement là où je voulais aller à la base. Hein. Qui s'amène, j'attends. Ok, bonjour. Nya. Ninjaisation. Y'a pas de Goliath? J'ai pas vu de Goliath, hein. Voilà. Nya. Bouya. Merde, j'ai pas vu. Allez, les combos, ils rentrent pas là. Aïe. Mais je l'ai vu. Kazma, tu vois un four à 200 degrés et tu mets pas le doigt dessus. D'accord, en fait, les ninjas, on peut pas les attraper. Je viens de me rendre compte. Genre, ça ne marche pas. En tout cas, pas quand ils sont pas perturbés. Ta race. Par contre, genre, il y a 3 pélos et pourtant, les combos passent pas. Hein. Mais c'est parce qu'il y a full ninja en fait. Arrêtez avec vos jutsu de con là! C'est quoi toi? Mais aïe en fait! D'accord. On dira que ça s'est bien passé. Hein. Chut, chut, y'a pas de témoin. C'est lui. Ouf. Y a pas mal de nouvelles upgrades depuis. Ah, c'est vrai, on va regarder. C'est ça, Batman. Alors. Nouvelle mission. La milice a une base dans un des bâtiments. Et en attendant. Alors, Wayne Tech. Ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Ouais, bon, ok. Combo spécial boost. Tous les combos spéciaux sont. Non, j'ai déjà eu celui-là. Combo spécial charge électrique à distance, je m'en fous. J'ai explosif, je m'en fous. Ok. Mais comment tu vas avoir le temps d'appuyer sur X et Y pendant un combat? Mais comment tu vas avoir le temps de faire ça? Mais jamais en fait. Non non, par contre je voudrais bien poursuivre tout ce qui est brouillage d'ennemis. Sabotage des mines. Sabotage des soins. Ok. Sabotage des matraques électriques. Oh le feu. Oh le feu. Les mines, j'en ai pas encore vu. Alors écoute, je vais le prendre. Mais pour le moment, je suis pas vraiment convaincu. Hein. Ça augmente, ça augmente, ça augmente. Attention à Riker Heights. Personne ne m'arrêtera. Point, point. Allons-y. Point, point. Ah, c'est là. Oui. Chevalier n'a rien à soldat pour moi. On n'abandonne jamais sa mission ni ses hommes. Ah. Attends, comment on rentre?
comment on rentre? Parce que là, très clairement, faut réussir à rentrer. Doit y avoir un mur à arracher quelque part. Attends une minute. Ouais. Batman est Bruce Wayne. Qui a joué le rôle de Bruce Wayne pendant tout ce temps? J'adore. J'adore. Parce que les mecs, ils sont toujours en pleine réflexion, en fait. J'aurai à se dire, attends une minute. Mais c'est pas possible. C'est pas cohérent. Ah, là. Ah mais attends, j'ai toujours un problème, parce que même si je pénètre, genre faut réussir à... Faut réussir à ouvrir la zone. Je te conseille de faire les défis verts en off, ça te permettra de gagner quelques points. Non, flemme, flemme, flemme. Franchement, je ne ferai pas ce qui n'est pas nécessaire à l'obtention de la fin véritable. L'autre chat a fouetté. Miaou. Ah attends, c'est ça que je cherche. Ça y est, je l'ai. Je suis coincé. Non, attends, c'est un truc d'énigme, ça. Seulement mon ancien sergent. Merde, comment j'ouvre la porte? J'aurai le plaisir de lui vider un chargeur dans la tronche pour manquement à l'honneur. Attends, ils ont tous des flingues. Non, non, mais ça doit être ça. Ça doit être ça. Merci, Enigma. On va aller voir. Et du coup... Alors, attends. Tu es Batman, ça sonnait mieux. Ouais, c'est vrai. Ok. Là. Je crois que c'est ça, hein. C'est ça? Pas ça. C'est Batman et Bruce Wayne. Alors, Bruce Wayne et Batman. Coïncidence, je ne crois pas. Et pourtant, jusqu'à présent, on ne les avait jamais vus au même endroit. Mais comment je... Comment je m'occupe de ce truc, en fait? Ça se pirate, ça? Non, c'est pas ça. Ah, mais attends. Oh. Et là, j'en paralyse la moitié, genre? J'ai 50 secondes pour faire le taf? Et tu ouvres le portail avec le séquenceur. Avec le séquenceur. Cette opération. Eh oui, mais de quoi? Le séquenceur, c'est ça, on est d'accord. Hein. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas ouvrir. Ah là! Mais j'ai cherché en fait depuis tout à l'heure. J'ai cherché ce bouton. Mais je l'avais pas vu. Il était bien caché. Ah mais là, j'étais vraiment prêt pour désactiver la tourelle et foutre le zbul comme Jaja. Hein. Bonjour. Mais je me disais trop bizarre. C'est bon? Ok. Bonjour. Le capitaine, c'est lui. Non, c'était bizarre. Non, non, c'était bizarre. Parce que jusqu'à présent, je l'ai encore dit tout à l'heure, hein, quand ils ont tous des flingues, c'est qu'il faut trouver un moyen de les atteindre avec la Batmobile. Et j'avais juste pas vu le bouton de la porte. Va-toi. Affûte tes techniques. Tu en auras besoin. Ok. On continue. Et on continue encore et encore. Et bah en vrai, vu qu'il y a de la variation, c'est vraiment plus cool à faire que ce que je pensais. Non mais franchement, c'est bien. Hein. Dites-vous qu'il y a énormément de jeux. Et encore une fois, des gros titres. Hein. On n'en citera pas, mais vous en avez très clairement chez vous. Et tous ces jeux-là, chez eux, ils ont encore... Merde. Ils ont encore un milliard d'activités à faire et elles sont toutes identiques. Et là, pourtant, il y a des variantes. Hein. C'est pas beaucoup, mais juste assez, tu vois. Ah, alors attends... Attends, 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 parce que là ils ont encore tous des flingues. Je veux rentrer chez moi. Je veux rentrer chez moi, Guidi. Il me flingue. Merde, attends. Parce que là, non, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gars quand même. Il y a beaucoup de gars. J'ai pas un bon spot. Là, ce serait génial. Voilà, parfait. Le meilleur spot. Tu sais quoi? Ça m'intéresse plus de savoir si c'est une voiture ou un tank. Du moment que je revois plus jamais ce truc. Ok. Eh ben, allons-y, je crois. C'est pas le moment de se déconcentrer. On se retrouve et on riposte en force. Ah,
Nya. Ça va, ils sont 5. Franchement, tranquille. Merde. On est d'accord que leurs armes, elles sont pas brouillées à l'infini, hein. C'est comme les Gatling, genre au bout d'un moment, ça passe. Voilà, bon, c'est juste 5 pélocs des flingues et c'était un peu tendu, mais franchement, tranquille. Les Torborgia. Les Torborgia, c'est encore autre chose, c'est des points d'observation, si on veut. C'est pas forcément à ça que je pensais, mais forcément, forcément, quand on parle de collectionnite, de lieux à nettoyer et autres, on pensait forcément Assassin's Creed ou au moins Ubisoft. Bah oui, bien sûr. La force brute fonctionne contre des adversaires médiocres. Mais pourras-tu affronter un guerrier? Un guerrier. C'est quoi l'histoire de Death Rock? Faisons un petit point histoire, avant de le croiser dans Origin. Un poste de selon les comics, de c'est quoi son histoire? Je vous écoute, les Casbah. C'est un camp important, monsieur. Il semble abriter plusieurs drones. Parle. Soyez prudent. Putain, c'est demi-tour à l'infini. C'est là. Il est derrière. Ça a l'air d'être là. Et je pense qu'à mon avis... Ouais, c'est véhicule. Bon, par contre, c'est cool, il y a beaucoup de zones à nettoyer avec la Batmobile. Hein. Putain, mais j'ai vraiment commencé par le pire. Je m'en rends compte, là, ça me vénère. Que je me suis acharné, je me suis vénère comme je me suis rarement vénère. Tout ça pour me rendre compte qu'en fait ça aurait pu bien mieux se passer. Alors par contre je vois pas où elle en fait. Enfin je vois pas comment j'accède avec la Batmobile. Donc si peut-être que c'est comme ta. Hein? Qui m'embrouille? Qui m'embrouille? Qui veut quoi là? Hein? Attends, il y a eu un canon de. Il y a eu un canon de tank là non? Non peut-être pas. Alors Deathrock s'est retrouvé. Sur une île en Asie avec Oliver Queen, le futur Arrow. D'accord? C'est tout? Quelqu'un de méchant qui a voulu être fort. Pas certif par d'ici. Ah bah oui, bah ça c'est clair. Attends. Ok. Y'a pas tant de Gugus. Merde. Alors je suis pas du tout monté où je voulais. Là, il y a un truc à tirer avec la bagnole. Il est de l'intérieur, genre. Attends. Batman a rien du tout. Cours ! Ah, mais c'est pas vrai ! Je suis posé ! En avant ! Une rivalité de longue date, Batman. Mais tu vois, elle ne pouvait se conclure que comme ça. Prends ton temps, hein. Prends ton temps. Mais c'est toujours pareil. Non, hein, j'adore Arkham Knight, mais par contre, en termes de fluidité, City, les gars, City, de loin. Mais si ça, faut le tirer de ce côté... Ah, mais non, c'est Enigma, ça. Non, j'ai pas peur de Batman. Ceinture noire de Krav Maga. Il me fait plutôt pitié, en fait. Ceinture noire de Krav Maga, excuse-moi. Ah, il te fait plutôt pitié, je te fais pitié, bah d'accord. Bah écoute, si je te fais pitié, mon copain... Attends voir, j'arrive. Non, c'était pas ça. J'ai fait quoi? Oui, je m'y connais en interrogatoire. Oh, il y a une entrée par au-dessus. Qu'un certain Barrera. Lui, il savait faire parler les gens. Rare, rare, rare. Hop, atterris ça. Ok. C'est bon? Où est le Covenant? Là. Alors, c'est un mercenaire ayant subi des expériences militaires visant à faire évoluer les capacités physiques humaines. Il peut utiliser son cerveau à 98% de son potentiel. C'est un ennemi de Batman et des Teen Titans. Ouais, je sais. Notamment dans le dessin animé. Mais j'en suis pas plus. La scène où le méchant se fout de ta gueule quand tu meurs, ça m'a tellement fait rager sur Origin Knight. Moi, ça va. Moi, c'est pas ça qui me fait rager parce que je trouve ça très stylé de mourir dans Batman. Je veux pas dire c'est gratifiant, mais genre, même quand tu meurs, juste les devs se foutent pas de ta gueule en fait parce que c'est bien fait. Et il y a des répliques qui bougent. De votre avis, si t'as pas tendance à mourir tout le temps au même endroit. Sont armés et protégés en plusieurs endroits par des non, par contre, je le maintiens. Hein. Mais Batman, c'est un vrai jeu difficile et c'est un jeu pour perfectionnistes en fait. Il y a énormément, énormément de contrôle. Et c'est pas du tout les mêmes que tu sois à pied ou en voiture en fait. Donc forcément, forcément.
Alors. On fait rentrer encore la Batmobile. On doit faire rentrer encore la Batmobile. Et ben, il doit y avoir un bouton quelque part. Attends. Y a pas moyen de. Attends. Y a pas moyen de descendre gentiment là. Ah attends, si c'est pas mal. Si c'est pas mal, j'ai trouvé un truc sympa, attends. Ok, mais là le problème c'est que si je descends, je tombe en bas. Non. Ah non, peut-être pas. Oh, c'est joli ici, hein. C'est chez Ivy au moins. Ouais. Et on n'était pas forcément passé. Non mais je suis même pas à l'endroit où il faut que je sois. Les séries réinventent les origines des persos, ce sont pas des bonnes références. Mais c'est pour ça que je parlais de comics tout à l'heure. Genre si vous me dites c'est un soldat génétiquement modifié qui est capable d'utiliser son cerveau à 98%, ok. Et c'est quoi qui le motive ce gars-là? L'argent, le devoir, une vengeance, c'est quoi son truc à dire? Quoi son Mao Zhao? Eh ben je vois pas d'entrée là. J'ai pas vu d'entrée hein. Bah. Fais gaffe, Batman a équipé sa bagnole. Attendez, c'est un problème là. Il envoie du lourd. Ouais, je suis censé le faire comment lui? C'est un mercenaire, donc l'argent. Ah ouais, il a pas de motivation autre. Après, en même temps, il en faut hein, des simples hein. Des mecs sont là juste pour le fric. Ouais. On devrait pas poser. J'ai un problème là, non? Le mec aux énigmes, l'anglais, ils peuvent tout faire foirer. Il faut que je passe par au-dessus. Que je tape mon meilleur plongeon. Mais je fais comment pour y aller? Enfin, comment pour m'en sortir là-dedans? Attends, mais il y a X pélo avec des flingues. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va faire si les montagnes nous paient pas? Regarde les routes alentour, il y a peut-être un tremplin. Bah ouais, c'est ce que j'ai essayé de faire dès le début en fait. J'aurais bien dit par là, mais jamais ça passe. Ou alors... Ah, attends. Ah, on a un truc. Let's go! Wouh! Hop, dommage. Je pense pas que l'idée soit mauvaise. Mais allez, let's go. Oui. Oh, let's go. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Oh, bonjour. Ok. C'est bon? Oh, les gars. Oh, oui. Oh, le nettoyage intensif. T'es mort? Ah oui, t'as littéralement... Oh la vache, la position. Ouais, c'est faisable. Non, non, ça s'est fait. Ah, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Il y a une petite recherche et tout. Putain, ça me vénère. J'ai commencé par le pire. Oh, j'ai vraiment commencé par le pire. Mais c'est quoi ce talent, Kazma? Vraiment. Je vais démanteler la forteresse de la milice à l'intersection de Grande Avenue. T'es pas obligé de parler à voix haute, hein, tu sais, toi, moi, on sait ce qu'on fait tous les deux, hein. Y'a pas de problème. Là, j'ai besoin de savoir ce qui se passe en contrebas. Je crois que j'étais déjà venu ici. Enfin, j'avais déjà vu rapidement ce qu'il y avait. Et y'a pas grand chose. Par contre, ouais, prends bien ton temps pour me rendre la caméra. C'est cool. C'est cool. Nya. Oh mon dieu, c'est Batman. Rawr. Ouf. Oh, ce coup de boude derrière la nuque. Mais allez, les coups de boude derrière la nuque. Dis donc. Bang. C'est lui.
C'est vrai qu'il agit par vengeance contre les titans, il me semble, à cause de son fils. Ah, donc ça y est, on a de la profondeur. Il y a encore beaucoup d'hommes qui n'attendent que de te tuer par ici. Car il est mort à cause d'eux et de Dick. Dick Nightwing? Dick Grayson? Mais ça va, oui? Titan, putain, ce manque de respect! Ah, ça me vénère! Les mecs, ça s'est arrêté, ils vont rentrer dedans gratos! Ah merde! Rendez-vous compte que après 3 jeux, je sais toujours pas jouer. C'est triste. Hein. Et pourtant, c'est les mêmes combos depuis le tout premier. Et en plus lycée en plus. Donc techniquement, genre, j'ai même pas d'argument, tu vois. La milice a renforcé sa position. Il y a aussi une fille. Ils ne tiendront pas contre moi. Attention, Maître Bruce. Les analyses révèlent la présence de drones dans l'enceinte. Ok. Allons-y. Non mais ça tape bien. Honnêtement, ça tape bien. J'étais parti sur 3 heures. En vrai, ça va être à peu près ça. Sans compter Deathrock, je pense. Mais en vrai, c'est honnête. Non, non, c'est honnête. Et heureusement, cette fois, j'ai le temps d'assumer. Juste au-dessus. Par contre, attends, parce que s'il y a des drones... Ça ouais. Peut mettre hors de lui qu'on soit sur le terrain. Qu'on... Merde. Let's go. Est-ce que j'ai fait le taf? T'as vu ce que j'ai vu? C'est pas fun. Je sais pas si j'ai bien taf, mais Tu crois que tu peux m'échapper? Ah, mais il en reste un? Attends. En vrai, il y a quoi? Il y a 3 pélos, hein. Oh, let's go. Oh, il y a 3 pélos. Allez, grimpe! Ah bon. Bouya. Et voilà, finito. Excellent, facile. Oh c'est agréable. En comics, Deathrock a aussi des problèmes avec les titans et son fils. De toute façon, il est lié aux titans de manière ou d'une autre. Hein. Pas que les Teen Titan, mais je crois que je parle en... Mais Teen Titan, c'est pas si loin de la vérité, les gars. Hein. Très très bonne série en plus. Marre des gens qui ne parlent que de la série Titan ou alors qui ne parlent que du dessin animé Titan Go. Hein. Il y a eu Teen Titans aussi. Hein. Teen Titans qui est incroyable. Pas beaucoup d'épisodes en plus. Je vais attaquer le poste de contrôle de la milice qui se trouve près de Mercy Bridge. Et si vous en sortez, il y a moyen de trouver toute la série en Blu-ray. Hein. Je l'avais, je l'ai plus, je suis dégoûté. D'ailleurs. Alors attends. Alors, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de l'enceinte là? Oh, ça va. Ah, bonjour. Enchanté. Tac 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 tac. Oh la vache, il s'est pris le combo. Voilà, à plus Goliath. Mais non, je l'ai vu arriver en plus le coup, hein. C'est juste que j'étais trop engagé dans ma manœuvre. Dommage. Bouya. Mais Bouya, j'ai dit. Merci. Nya. Nya. Tadapapam, point point. Tadatatadana. Qui avait la commande? C'est lui. Gotham est super cool, je kiffe aussi la jeunesse de Gordon. Faudrait que je vois Gotham. Mais du coup, il n'y a pas de Joker dans Gotham. Si? Ou alors un Joker très très jeune. Un Joker en devenir. Parce que Joker, il a un peu le même âge que Batou en fait. Mais qui existe dans Gotham d'un point de vue du lore? Parce que, alors, en gros, de ce que je sais de Gotham, c'est la série qui parle un petit peu de la ville, des méchants, de l'origine de beaucoup de choses. Mais Bruce étant très jeune, il y a plein de méchants qui n'existent pas encore. Et il n'y a pas énormément de méchants qui sont forcément vieux vieux. Je vais les trouver. Ah merde, j'en ai plus! Alors attends. Donc les gars, il me reste 2 endroits à trouver à Thunder Island et 3 à Miagani Island. On va commencer par. J'aime bien gagner là. Eh ben on va commencer par Ushu. Parfait. En de localiser et détruire les postes de la ville. Prenons-nous dans la ville!
À la recherche des lieux à exploser. De toute façon, c'est forcément lié d'une manière ou d'une autre à la route. Il faut juste se promener et on va tomber dessus normalement. Ok. Tendu. Par là peut-être. Bonjour. Ah, ça continue. Ah, non, c'est fermé. Nut. Là. C'est pas par là. De Metropolis. L'autre Baltringue. Ah, Superman. Je sais pas, Metropolis pour moi, Superman. On est d'accord, hein. Ouais. Oui. Je trouve pas. Il m'en manque 3 à faire ici. Et ça doit être des tout petits secteurs en fait. Merde. Comment je sais où regarder? Ah attends, j'en ai trouvé un. Ah non mais non, ça c'est mon point, je suis con. C'est comme Smallville pour Superman, même problème avec la série. Ouais, je sais pas. J'ai pas vu ni l'une ni l'autre, alors comme ça, je peux pas dire. Puis je suis pas assez fan en fait pour donner un vrai avis. Devant chez Wayne, ça va. Oh bah alors, ils sont où les barrages? Barrage? Ah, c'est peut-être carrément la fin du jeu. C'est la fin du jeu. Promenons-nous dans la ville. Je vais localiser et détruire les postes de la milice. C'est ma vie. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est qu'en attendant, on va attaquer les tours de guet. Il faut supprimer la tour de guet au sommet du Memorial Hospital. Comme ça, si jamais au passage, en me promenant, je croise des contrôles de route, faut aller deux. Alors, bah, du coup, attends. Et cet enfoiré veut qu'on reste en place. Mais lui, je peux pas le péter là. On suit les ordres, on laisse le mystère. Ah, bah si, je peux le péter, d'accord, ok. Attendez une minute. Pour ces trucs là, on est obligé de passer par tous les bougres en dessous. Ou je peux juste faire péter ça et on n'en parle plus. Moi, ça me donne l'impression. Voilà que c'est fait en fait. Ah, il y en a deux. Ah, ils sont malins. Ils sont malins, il y en a deux. Bon bah, let's go. Purée, il y a des ennemis de con. Aïe, je l'ai vu le gros. Purée, non, il y en a deux. Oh, il y en a deux. Oh, mon angoisse, putain, j'ai encore choisi le meilleur. Mais c'est pas vrai. Mais pourquoi toutes les premières épreuves de la milice, là, toujours les meilleures? Oh, c'est pas vrai, non, il y a deux Goliaths. Putain, j'en rage déjà. Mais non, mais foutez-moi la paix. Mais arrêtez. Mais j'ai pas votre niveau. Mais que quoi? Je vais mourir, je vous le dis, je vais mourir. J'ai un PV. Mais c'est pas... J'ai encore choisi la meilleure tour de guet, la plus facile. Ça ne va pas, Batman? Tu te battais mieux avant. Je sais, je suis d'accord. Je suis maudit. C'est où? C'est là. Allez, enchanté. Mais pas ça! Oh, c'est pas vrai. Non, ça y est, ça recommence. Ah, ça va m'énerver. Ah, ça va m'énerver. Monsieur pour mais il y a 30 pélos et je prends le seul qui est électrique. Mais c'est pas vrai. Ah.
Concentré, concentré. Ah oui, il est gros. Ah oui, il est gros. Ok, c'est maintenant. J'ai de la vie. J'ai des arguments, j'ai fait le plus chiant. Enfin, les plus chiants, surtout. Ah, mais il est chiant lui aussi là. Oh. Mais ouais, hein, je crois vraiment que j'ai encore recommencé. J'ai refait un truc chiant encore en proms. Hein. Mais de. Mais ta race en fait. Allez vous faire. Allez. Banger. Je sais pas comment, hein, mais je me fais toutes les pires. Toutes les pires en premier. Au moins c'est fait, hein. Et ça fait bien longtemps que je n'ai pas vécu. Ah là 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 là. Alors, est-ce qu'on a trouvé un contrôle de route? Je ne peux pas laisser les. On n'a pas trouvé de contrôle de route. Tour de guet. Poursuivons. Le toit du Royal Flush Gang à Kingston a été investi par la milice. Je vais le lui reprendre. Eh ben allons-y. Encore un peu de travail de recherche, hein. Allez, pitié, dis-moi que ce sera plus simple. Montre-moi. Oh, c'est tellement pas la même chose. Putain. Mais comment? Je vois personne relâcher son attention, même pas une seconde. Attends, c'est super dur votre truc là. Non, parce que moi je veux bien désactiver des mines là. Y'a pas de problème. Mais au bout d'un moment, genre, y'a une lumière. Ah, attends. Mais non, je suis con. Non, pas ça. Ça. Pouch. Et si on allait voir les décombres de l'usine? Allez. S'il n'y a plus la lumière, ça veut dire que pour elle. Ok. Oh merde. Je me jette. La gueule. Taïo! Bouge, c'est bon. Ok, ok, ok. Contrôle amateur. Il en reste 3, hein. Ça peut se faire bien, hein. Ça peut se faire très très bien même. Alors, par contre, j'aimerais bien. Voilà, le réactiver. Merci. Nya! Pas bien. Fini. Fini. J'ai vraiment commencé encore par le pire. Terrible. Terrible. Ah mais c'est terrible. Toute ma vie. Sinon le film animé sur Red Hood est pas mal. Il y a un film animé sur Red Hood? Trop bien. D'ailleurs ça a sûrement rien à voir. Mais dans les cadeaux que j'ai eu à mon anniversaire il y a quelques jours, j'ai eu, vous savez, la collection un peu Batman pour les nuls, genre. Et dedans, il y a un épisode sur Arkham Asylum. Donc je sais pas si c'est celui qui raconte le jeu ou si c'est juste ils ont réquisitionné comme ça, vite fait. Kingston. Ces hommes sont armés. Je sais que le jeu a pas tout inventé, hein. L'asile existait déjà bien avant. Ok, par contre, je n'arrive pas à trouver de contrôle de route, hein. Ça m'embête un peu pour la suite, hein. Ça m'embête un peu pour la suite. Oh, je l'avais vu tout à l'heure lui. Oula, 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 oula. Alors, tout à l'heure, on m'a donné une bonne astuce. On va essayer de la mettre en pratique. C'est utiliser le brouilleur. Ils ont réquisitionné un toit à Kingston. Ces hommes sont armés, mais ils ne me verront pas venir. Ah, une attaque furtive, sage décision, monsieur. Voilà. Je savais pas qu'il y en avait un sur le toit, hein. C'est coup de pression. Ok. Cet homme est aveugle. Alors, est-ce que c'était lui qui emmerdait le monde? Ouais, c'était lui. Nickel. Ah ouais, du coup, ça les brouille vénère tous les deux, hein.
Ok, ok. Let's go. On est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Homme à terre localisé. Quoi? Bonne question. Il est mort, tu crois? Non. Allez, on bouge. Il reste 3, dont un Goliath mitrailleuse. Qui c'est? Par ici. Perdu. Recherchez les hommes mis en combat. Je crois qu'il y en a un qui est invisible. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est les 3 derniers. Ok. C'est les 3 derniers, ça va le faire. Et j'ai récupéré mon intimidation. On est bien. Eh merde. On se disperse. On se mange. Hello boys. Esquive. Esquive. Allez mon gros. Ce soir c'est des Srock pour rien. Oh 35. Attends, attends, 35 c'est pas mon plus gros combo. Je crois hein. En vrai, il était bon celui-là. Incroyable. Après, il y a aussi deux longs métrages sur Red Hood. Ouais, il y a tout un truc sur Red Hood. Il y a beaucoup, beaucoup de films, j'ai vu. Un film d'animation, notamment. Mais DC est très présent là-dessus. Hein. DC, les dessins animés, ils gèrent de fou. Hein. Les dessins animés, les comics, là-dessus, ils sont loin devant Marvel. Hein. Ils te freinent toujours. Marvel, c'est peut-être les films sur lesquels ils win, mais en termes de comics purs, pour le moment, j'ai vraiment l'impression que c'est chez DC qu'il faut la chercher. La milice a installé une tour de guet au-dessus de Chinatown. Je dois les anéantir pour l'exemple. Ces individus semblent armés, monsieur. Faites preuve d'une certaine prudence en les écrasant. T'inquiète, Alfred. Je gère. Oui. Est-ce que ça change? J'ai pas réussi à faire ce que je voulais, je suis un peu dégoûté. En ce qui me concerne, c'est le type qui a fait de nos vies un enfer. Et du coup, en fait, Gordon, il est où maintenant? Il est au Comico? Il nous attend tranquille? Ah parce que c'est le cas, Noice. Genre, tu sais, si on veut passer lui dire bonjour, ça va. Et Robin, même chose, on croise où, à la base? Hey, je vois le GCPD d'ici. Dommage qu'on ait pas de fusil de sniper. Alors, attends, comment ça se passe? On irait tirer sur des flics terrifiés quand on peut les laisser là-dedans. La tourelle se chargera des hélicos d'évacuation qu'ils enverront. C'est juste que je m'ennuie à rester ici. Je te parie 50 balles... Non, 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 non. Mais mec, mais mec, mais mec, mais mec, mais mec. Non, c'est bon, ok, ok, juste un coup de pression. Mais oh, mais c'est pas vrai! J'ai glissé, j'ai vraiment glissé, putain. C'est bon, donc, je voulais juste me mettre là. Mais là, mais mets-toi là en fait, sur ce poteau. Je voulais regarder. Ok, c'est celui-là qui m'embrouille, je crois. Hein. Ouais, c'est celui-là. Allez, on y va. On va voir ce qu'on peut faire, hein. Oh le gros. Oh le gros. Oh oui. Nya. Tac 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 tac. Qui s'est tapé? D'accord. Oh oui. Oh le deuxième gros. Oh le deuxième gros dans la lumière. Mais oui en fait. Mais tellement! Fais chier. C'était un. Il est mort en fait! Voilà! Et toi là? Voilà, te réactive pas. On est bon! Ça se passe bien! J'ai glissé, chef! C'est tellement ça! C'est tellement ça! Et bienvenue à ceux qui n'ont jamais messieurs. Il est 22h10 et on est bon. On aura Deathrock ce soir. On aura Deathrock ce soir. Je vous le dis. Deathrock ce soir, c'est programmé. Qui t'a entraîné, Batman? T'es pas mauvais. Ok. Toujours pas, je suppose. Les postes de contrôle. Chier.
Les casemas, à un moment, j'aurai besoin de vous. Hein. La milice a installé une tour de guet au-dessus de Chinatown. Je dois les anéantir pour l'exemple. Je ne trouve pas les contrôles de route. Ces individus semblent armés, monsieur. Faites preuve d'une certaine prudence en les écrasant. T'inquiète, Alfred. T'inquiète. Alors, il se passe quoi ici? Ok. L'ingénieur pense qu'il... Ah, attends. Il faut que je me rapproche. Oh, sérieux? Des fois, tu mets quand même des sacrés coups de bout et ils bougent pas, hein. Genre, tu fais pas de bruit, si tu veux. Ah non! Mais oui, mais forcément, ils vont aller voir le Charlie. Alors que ça aurait pu bien se passer. Ok. Bon, le taf avance, hein. De manière du haut, mais bon. Une tour de guet au-dessus de Chinatown. Je dois les anéantir pour l'exemple. Ces individus semblent armés, monsieur. Faites preuve d'une certaine prudence en les écrasant. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il a explosé dans sa main. Oh, c'est génial, ça. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Bien. On est bon. Et le dernier, c'est lui. Eh, hey, cow-boy! Bah! Voilà! Youh! Ça s'est bien passé. Mais non, purée. Ça devrait pas te demander de prendre le jet explosif à chaque fois. Ça devrait juste appuyer sur une touche et mettre le jet explosif. Faites pas chier. Enfin, c'est un détail, mais c'est vrai que du coup, bon. C'est une action qui est un peu embêtante. Défoncer des gueules le soir, c'est comme une passion. Ah bah ça défoule, hein. Faut le dire à un moment. Des miliciens bien armés ont fortifié le toit de Godcorp. Je dois planifier mon attaque. Ah ouais? Carrément planifier l'attaque? C'est si chaud que ça? Putain, c'est loin! Demain, à la première heure, j'appelle mon avocat. Batman m'a pété la mâchoire à Arkham City. Wayne va le payer. Oh, on peut faire ça. Bien sûr qu'on Bah alors attends, parce que du coup, vu qu'on a Thunder Island, déjà j'ai pas tout découvert, et surtout il y avait encore des barrages ici. Bonjour, excusez-moi. Voilà, localisé. Je vais où? Des fois c'est une promenade, hein. Des fois c'est une promenade. Ouais. Non, ça va. Allons-y. Bonjour. Merde. Ouya. Mais... les patates, là. Oh. Oh non. Oh non. Banger. Voilà, moins un. Allez, Ratman. On croise en toi. Donc faut pas se faire avoir, hein. En fait, dès que t'escalades un bouclier, c'est pas pour autant que t'es safe, hein. Les seuls moments où t'es safe, c'est quand tu fais un finish move. Et heureusement, parce que t'imagines sinon. Ah, t'aurais aucune satisfaction. Voilà, faites des bébés. Bouillard. Très simple. Très simple. Meilleur Batman, c'est Adam West. C'est lequel, Adam West? Moi, je dirais toujours le meilleur, c'est George Clooney. Il n'y a pas meilleur, les gars. En termes de flow général, il n'y a que lui qui peut avoir assez d'arguments, assez de prétention pour se pointer à une soirée avec la Batcarte. La Batcarte bleue. Frappe la milice aussi fort que tu peux. J'attendrai pour te donner le coup de grâce. Salaud, il en a rien à foutre. C'est une espèce de vengeance personnelle au bout d'un moment. Je crois que t'étais professionnel, mon con. Professionnel de rien, hein. Il attend juste notre fight à nous deux, hein. On aura Batman, c'est sûr. On a l'avantage du nombre. Il faut juste qu'on continue à attaquer. Ok. Oh. Forcément. Fallait que je sois. Bonjour. Et
problème c'est que les sulfates là, on peut pas les éliminer dans le dos. Bah non, c'est trop facile sinon. Ah putain, il y a pas beaucoup d'ennemis. 7 ? J'ai rien dit, ils sont la max. J'ai rien dit, ils sont la max. Putain, la moitié sont invisibles. Oh, fais chier. Trois sulfates ? Mais pardon ? Trois sulfates ? Mais ça va pas bien en fait. Mais c'est quoi ce spot des ténèbres ? Trois sulfates ? Mais dis-moi, hein ? Et vous avez dit que c'était une bonne idée. La milice a installé une tour de guet dans les locaux de City Vision. Il est temps de la faire descendre de son perchoir. Soyez prévenus, monsieur, ils ont l'air armés jusqu'au dents. Allez, on se dépêche. On se dépêche. Maintenant. Bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Il est de ce côté, allez. Hop. Je me suis foutu en l'air, comme on dit. Comme disent les jeunes. Ok. Lui. Lui m'intéresse. Vous êtes où ? Non, tu sauveras pas l'autre médecin. Ok. Ok, 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 ok. Il y a une sulfate toute seule. C'est le moment, les gars. Ça se recharge quand, les trucs de brouillage, là ? Non parce que tendu quand même. Vas-y. Quand tu l'as au corps à corps lui ça va mais bon. Pas ouf quoi. Bouya. Allez on se bouge. On se bouge. Je vais où? Dites-moi ils ont pas repop. Dites-moi ils ont pas repop. Non c'est bon. Ouais par contre vraiment le brouilleur il revient quand? Quand est-ce qu'il se recharge? Il y en a un là. Il y en a un là. Putain il y en a invisible. C'est pas vrai les gars invisibles. Ok. Ok, j'ai récupéré un munition. Mais là, ils sont face à face. La nuit a été longue, Batman. Les vieux os commencent à faire mal. Je sais pas. Je joue le tout pour le tout. Vas-y. On se dépêche. On se dépêche. Tu te crois malin, Batman ? Un peu, ouais. Dépêche. C'est bon, on a géré, on a géré, on a giga géré. Ouais, tu fais comment pour t'occuper des sulfates si jamais tu peux pas leur mettre des gros corps à corps ? C'est quoi l'autre technique ? Leur tire des grenades des boules électriques, des trucs de genre. Ah parce que là c'était tendu un peu. 58. Attends c'est un record. C'est un record. J'ai jamais fait 58 avant. Let's go en fait. Ça compte, m'en fous ça compte. Dis-moi est-ce que t'as hâte pour Star Wars Jedi Survivor. M'en fous complet. Je m'en fous mais royal. Peut-être que j'aurais hâte ici à ce qu'on voit du gameplay, quelque chose comme ça. Mais là pour le moment rien à battre. En fait, j'ai apprécié le premier, mais c'est plutôt je l'ai pas détesté foncièrement en fait. Il m'a pas. Il m'a fait ce truc. Des miliciens bien armés ont fortifié le toit de God Corp. Je dois planifier mon attaque. Il était très très cool. Mais en fait, pour moi, c'était juste une espèce de pompage scénaristique d'une espèce de faux. De faux From Software en fait. Ils ont pas encore trouvé leur truc à eux. Et à partir de là, je pourrais dire que waouh. Mais là, pour le moment, c'est non. Pour le moment, pour moi, c'est long. On dirait que ce truc marche vraiment. J'essaie de verrouiller. Ok. J'ai perdu le signal. Ah.
Arrête de te barrer, je sais pas où. Kazman, voyons. Ok, 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 on est bien. Coucou, salut, salut. Alors, 1, 2, 3, 4 sont tous au même endroit. Qui me détecte? C'est lui, hein. Attends. Ah mais non, le brouilleur il revient pas. Bouya! Strat! 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 Et voilà! Fini. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Des bisous à ceux qui nous laissent et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Ah, ça va tranquille. Je fais l'émission de la Minis. Ça avance, ça se nettoie. Deathrock en approche. Mais j'ai du taf, hein. Ça fait bien longtemps que j'ai du taf parce que là je suis en train d'avancer comme je peux sur les tours de guet. Et le problème c'est que certaines ne seront forcément pas détectées. Et c'est la même pour les contrôles de route. Et les contrôles de route, à part avoir un secteur, pour le moment j'ai pas plus d'infos en fait. Par contre je vais aller à tous les endroits où ça brille rouge. Ok. Wayne, c'est lui qu'on a traqué toute la nuit. Et ouais, c'est moi. Ça te fait quoi? T'as le seum ? La milice a une tour de guet qui surplombe un bâtiment abandonné d'Otisburg. Nya ! Il faut que je la détruise. Allez, showtime ! Bouya ! Non, fais chier ! Allez, 45 secondes ! Oui, c'est un finish move, il est vrai. Et c'est fini. Ok. Phew. Quel travail. Let's go. J'ai affronté beaucoup d'hommes comme toi, Batman. Beaucoup d'aspirants. Tu parles beaucoup, Deathrock, tu parles beaucoup. La milice s'est postée en hauteur, près du Wayne Plaza. Allons-y. Il est temps de les ramener sur Terre, monsieur. Ouais, mais il va falloir chercher sur les routes, Alfred. Et sur les routes, il y a beaucoup de choses à faire. Hein? Ils m'ont vu? Ah, ils m'ont vu. Ah, merde. Oups. Non. Tu peux pas me faire mal. Attendez. Ils ont pas sorti de flingue, hein? C'est bon. Moi j'avais plus peur de ça en fait. Tiens, hop, Goliath. Ah. Allez. Allez. C'est tendu, hein? C'est tendu quand même. Il y a des combos qui finissent par rentrer, mais bon. Voilà! Bouch! Dans les couilles. Parfait. Val Kilmer, un peu mou en Batman. C'est qui Val Kilmer? Alors Val Kilmer, ça me parle pas du tout. Mais genre du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Où en est-on? Où en est-on? Où en est-on? Où en est-on? Parce que là, ça travaille dur. C'est le moment de détruire une tour de guet. Ah non, ça y est, on y est. Ça y est, on y est, je ne sais pas où chercher. Ah non. Ah non. Non. Je crois que j'ai vu Batman tout à l'heure. Il avait l'air... Ok, à la recherche. De tour de contrôle. Non, nique-toi. Oui, esquive. Ok. Je vois que dalle. Là. Là, c'est pas un truc là? Non, c'est pas un truc. Chier. Merde. Alors attends, parce que s'il faut, je cherche dans ce quartier, mais en fait y'a rien. Hein.
Alors dis-moi, j'en ai pas à faire ici. Mais attends, je les ai finis? Ah non, 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 oh j'ai eu peur. Ah, il me reste un seul! Je vais localiser les tours de guet de la milice et les détruire. Non! Il me reste un seul, Kazma, fais un effort! Là-bas, lumière droit devant! Heureusement, les tours de guet sont pas très dures à trouver, hein, je trouve. Je me dis cool, un souvenir de Gotham. Cette connerie. Bonjour! Oh, le ninja, il a même pas eu le temps de débarquer. Tac, tac! Ta mère! Et voilà. Yep, c'est toujours prévu. Je viens de chercher tout à l'heure. Donc je vais juste me presser un petit peu. Parce que j'ai encore, je sais pas, 5-6 trucs à faire. Mais ça prend son temps. Ok. La dernière fois, tu t'es retenu, Batman. Tu as donné quelques derniers coups de poing au lieu de laisser les cicatrices. Je vais faire au plus vite, mais je pense que j'aurai fini d'ici. Franchement, honnêtement, d'ici une bonne vingtaine de minutes. Ok. Tour de guet localisé. Tour de guet localisé. Ah, attends. C'est par où? Si j'avais su que c'était Bruce Wayne, j'aurais jamais signé. Ouais. On s'attaque pas à un mec aussi riche. On s'attaque pas à un mec aussi riche, c'est ça qu'il a dit? Incroyable. Punchline. Il faut que je me rapproche. Oh non, arrête! Mais arrête! Je peux pas être plus proche! Oh, tu m'embêtes là. Là, un peu. Oh oh. Bouge. Ok. 4 Gugus. Et 3. À s'en tirer? Le pauvre. Ça y est, il nous attaque un par un. On savait qu'il était là. Comment ça a pu arriver? Monsieur Chat, j'essaie de rester focus, s'il te plaît. Il n'y a rien à faire ici. Dispersez-vous et trouvez-le. Ok. Le dernier. Il reste un. Il est là. Il est là. Monsieur Chat! Monsieur Chat, tu m'embêtes! Monsieur Chat, tu m'embêtes! C'est bon! Oh là 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 là! Nya! Pardon, excusez-moi, j'étais en mode oui, il doit mourir, mais en fait, je peux aller plus vite. Toi aussi, tu chantes les schtroumpfs quand tu fais un truc sans parler? C'est un peu ça. Ouais, souvent. Mais moi, je chantonne constamment et pas que les schtroumpfs. Non, moi, je chantonne tout ce que je peux chantonner. Miaou. Il reste encore 3 tours de guet. On est ils doivent très m'attendre. Tu étais hargneux quand nous nous sommes rencontrés, Batman. Jeune, plein de rage. Tu pensais être encore aussi combatif. Mais du coup, est-ce qu'il parle de Origin, vu qu'Origin n'est pas fait par la même équipe et qu'on peut considérer qu'il n'est pas forcément dans la veine des 3 autres? Oui, si, quand même, c'est canon. Hein. Non, si. Qu'est-ce que les soldats foutent encore là, vieux? J'ai presque envie que Batman leur mette une trempe. C'est notre ville. Je vois des lumières là-bas. Tour de contrôle. Ah, je vais m'écraser, tour de contrôle. J'ai vu des lumières vers où? Là. Oh. Taillon, j'ai dit. Ah mais attends, mais j'ai un vrai problème là. Non, attends. Mais il y a des lumières de fou. Mais comment je fais? J'étais un des patients de l'éventail à l'asile. Ça me fait plaisir que Batman l'ait eu. On a un vrai problème là. Ok, on peut se battre d'un côté. Esquive. 1, 2, ta mère! Espèce de casser le bras, Bassin!
Chut. Faites trop les mecs un peu. Ah, c'est tendu. Il y a des mecs qui ont des flingues. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est très tendu. Hein. Ok. Niquez-vous. Je vois rien. Un PV. J'ai littéralement un PV. Alors par contre, vraie question. Hein. Vraie question, comment j'atteins la zone explosée? Les capteurs du drone sont temporairement inactifs, mais je ne peux en pirater qu'un à la fois. Chaque piratage annule le précédent. Bah ouais, mais je fais comment? Les gars, j'ai un truc à faire péter, je fais comment? Je peux pas aller dans la zone? Attends, on a un vrai problème là! Wesh. Chose impressionnant. Un type riche comme ça qui consacre sa vie à aider les autres. T'as oublié dans quel camp t'étais? Ah, mais là, j'avais pas vu! Oh! Attends, ça aurait pu être tellement moins galère, c'est ça que t'es en train de me dire? Oh, mais oui! Oh, mais oui! Oh my! Oh my! Oh l'artiste! Oh l'artiste! Mais oui. Mais oui. Putain, j'aurais pu me battre legit. Non, je pensais vraiment qu'il fallait se battre d'un côté ou de l'autre en fait. Et le sol qui est rouge, c'est un peu trop peur au passage. Mais je pige pas. Il y gagne quoi, Wayne? Il a droit à une déduction d'impôt avec sa voix. Fouca. Il reste encore 2 tours de game. Vous okay. N'allez pas les négliger, monsieur. Ouais, à son ouf. Bien gagné, Island. Il a gagné un land. C'est tout en bas, je crois. Ah, mais j'y suis. Ah, mais attends. Prépare les tours de guet de la milice contrôler le ciel. Il est temps de les éliminer. J'ai aiguisé mes sens. Ça va trop vite. Et toi? Là-bas, trouvé. Vraiment trop facile à trouver, ça. Bah, j'ai un problème toujours, hein. Contrôle de route, tout ça. Ah, il est là, le poste. Oh, il est là, le poste. Messieurs, bonjour. Par contre, j'ai toujours un PV, on est d'accord? Mais merde. Non, mais je vais mourir, j'ai un PV, je vois pas comment je peux faire. Je viens de faire le gros, mais là, je vois pas. Oh non, j'ai récupéré ma vie! Bah attends. Allez! Allez, ultime motivation! Ultime motive Athion! Non, mais non! Mais lui là! Qui a envie? Lui! Butch! C'est fini? C'est la toute dernière? Oh oui! Oh oui, yes, 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 yes. Excellento. Deathrock, on arrive. On reste un peu de table, Deathrock, désolé. Phew. Alors je sais, il y a quelques drones qui naviguent. Il est temps d'en finir. Et vous y arriverez, Maître Bruce. Transmettez-leur mes amitiés. Oh, il est mignon, Alfred. Attends, elle est où, du coup? Plague Island. J'avais pas vu. La milice. Mais le pire, c'est que je crois que tout à l'heure, quand je suis passé de là, j'ai vu que ça brillait par là-bas. Donc j'ai des tours de guet partout dans la ville. Je vais le voir sans trop le voir en fait. On va trouver, on va trouver. Ouais, par contre, pour ce qui est des drones, je le ferai en off.
parce que c'est pas dans les trucs nécessiteux pour Death Rock, ça va juste prendre du temps pour prendre du tronc. C'est pas très intéressant. Là-bas. Je l'ai vu tout à l'heure. Alors du coup, ce qu'on va faire juste par contre... Voilà. Allez, spot droit devant. Et je ne sais toujours pas où sont les contrôles des routes. Ah mais il y avait tellement de choses à faire juste dans cette zone là. Si on est passé avec la bagnole tout à l'heure pour un contrôle de route justement. Ça me manque les contrôles de route. C'était speed, c'était efficace, c'était rigolo. Qu'est-ce que c'est que cette situation de pourri? Alors par contre c'est la première fois que je vais en intérieur alors y a que vous deux? Oh mais oui. Attends mais quoi? C'est quoi cette zone de merde? Mais oui. Il y avait deux pélos. Oh c'était de la merde. Oh c'est de la merde niveau sup. Oh, 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 les gars, par contre victoire totale. Victoire totale, on est bon. Continue à t'en prendre à mes hommes, Batman. Le spot le plus fatigué. Mais bon, puisque mes... On va voir ça au passage. Les contrôles sont toujours là. Je te laisse aux soins de la milice. Tu n'aurais pas dû me mettre les pieds à Gotham, Slade. Ça fait des années que j'attends cette revanche. Mais je ne comptais pas faire ça gratuitement. Hmm. Cette fois, je me fais pas avoir. Oh, c'est stylé. Le petit côté Jackie Tuning, j'aime trop. Alors... On va localiser et détruire les postes de la milice. C'est ma ville. C'est pas vrai, Il me reste des contrôles, mais je sais pas où ils sont. Alors attends. Fais voir. On voit le bout du tunnel, les Kazma. Mais il y a du taf encore. Donc, il y en a deux à Thunder Island. Je ne peux pas laisser les postes de la milice. Donc par là, il y en a deux quelque part. Il faut que je les trouve. Monsieur Chat, reste cool. Les profondeurs. Alors, je vais pas vous mentir, je pense que les profondeurs il n'y en a pas. Parce que j'en ai fait tellement que s'il y en a, bah, c'est chaud. En fait, au bout d'un moment, laissez-moi tranquille. Merde, où c'est qu'il pourrait être? En vrai, les extérieurs. Si, en vrai, les extérieurs. Non, par là, je suis déjà passé. Bien joué, abruti. Il est juste mais terrible en fait. Allô les contrôles de route, où êtes-vous? Contrôle de route? La chauve-souris, elle est sur nous. Pied au plancher. Ah attends, je suis jamais venu par ici. Dans le port Adam. Dites-moi, il y a un truc, pitié. Ah si, je suis venu, mais pour le scénar, genre. Alors? Bah que dalle. Mais tu me fais chier un peu là. Oh ça va. Parle mal gratos comme ça là. Ah là. Ok, on en a un. Messieurs. Bonjour. Nya. Oh. Ok. Ok, non, c'est bon. Mais non. Mais c'est... Eh, y a deux pélos avec les bâtons électriques. Kazma. Oh. Attends, deux secondes. Les flingues. Voilà. Ok, moins un. Et lui? Tu me le fais. Mais quoi? Ah merde, pardon, attends. Ça veut pas. Autant pour moi, c'est pas ceux que le doc modifie, c'est ceux avec les bâtons. Et les bâtons sont pas pareils. Eh bah oui. Alors, où est le commandant? C'est lui, le commandant. Donc, 1 sur 2. Donc, j'en ai 2 encore ici. Non, 1. Et 3. Ami a gagné? Ah, le travail. Ah, le travail. Je crois pas que tu gagnes, Batman. Ton combat te rapproche. Deux petites secondes.
Encore un ici. Allons-y. Il est temps de localiser et détruire les postes de la milice. Il est temps de localiser. Avant de détruire, localisons déjà. Contrôle des routes. C'est Batman, il a un tank, bordel. Merde, il est où lui? Ah, attends. Non. Imaginez un Spider-Man No Way Home version Batman. Hein? En jeu ou en film du coup? Parce que techniquement, le dernier Spider-Man là, Descendant Game sur Play, il reprend totalement les codes d'un Batman, hein, d'un Batman Arkham pour le coup. Oh merde, c'est Batman! C'est Batman! Eh oui! Car il ne fallait pas l'oublier. C'est Batman! Après tout. Où es-tu? J'aimerais bien avoir ce matos pour... On est d'accord que tous les contrôles de route... Ah, ok. J'allais dire, comme leur nom l'indique, sont sur la route. Ok. Let's go. Messieurs, bonjour. Oh oui. Je déclenchais un loot. J'ai pas fait gaffe. Deux, hein? Hop là! Vas-y, bouffe! Voilà! À plou! Non mais non! D'accord. Ça me va. Pour le coup, j'ai pas volé, ça me va. Ok. Le film, je parle du film. Alors attends, un Spider-Man No Way Home, version Batman. Alors, qu'est-ce qu'on entend par version Batman, les gars? Il y a tellement d'adaptations du personnage d'un côté ou de l'autre que je vois pas... Je les aurais tous. Tout dépend de comment vous voyez ça. Genre version The Batman, genre sombre. Déjà, c'est pas possible. C'est l'araignée sympa du quartier, les gars. On peut pas mélanger deux univers qui ont rien à voir. Alors attends, que je sois juste sur mon coup. Il me reste 3 postes... Enfin, contrôle de route à Miyagani Island. Donc c'est au chud. Et le chud chez Ishii. Localiser et détruire les postes de la milice. Ok. C'est ma ville. C'est ta ville, Batou. Et ben tout à l'heure j'ai fait un tour en bagnole, mais ça m'a pas vraiment aidé. Hein. Donc, on va plutôt essayer en Ratman. Hein. Du coup, et pas en Ratmobile. C'est quoi ça? Ah, c'est un défi. Non, on m'en fout des défis. Les défis, on s'en fout. Tiens. Par là? Non. Vraiment, la lumière rouge, j'ai cru. Hein. Allez! Let's go! Tu vois, je pensais pas le dire un jour. Attends, il y avait une grande roue là-bas. Oui, bonjour. Alors, c'est pas exactement ce que je voulais faire à la base, mais ok. Où il va la grande roue là-bas? Il n'y a rien à faire par hasard. Alors, s'il y a des choses, mais en lien avec Enigma, j'ai vu. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Oh, l'artiste. Ah, ça a changé depuis City, hein. Ah, j'ai appris à voler, hein. Je suis un oiseau, hein. Putain, par contre, les drones... question, les drones, parce que j'ai dit que je les ferais en off, parce que pour le moment, j'en ai pas besoin pour Deathrock. Mais, j'en ai pas besoin pour Deathrock, on est d'accord. Genre, on va pas me demander de les éclater au dernier moment. Non, juste que je sois sûr de mon coup. Ouais. Appel au dernier barrage restant. Où êtes-vous? Non, parce que bon. Moi bon, je veux bien, hein. Mais quand même. Non, les parents du pingouin étaient des aristos de Gotham. Je vois rien du tout. Il a chopé l'accent à l'école. Enfin, s'il fait pas semblant. L'accent? Quel accent? Il a un accent? Cobblepot a un accent? Là. Oh, putain, attends, il y en a en hauteur? Attends, non, c'est même pas ça. Non, c'est pas un barrage. Merde, ils sont où? Alors Harley s'est lancé à la recherche de Batman. Ok. À l'aide. Je ne trouve pas les barrages restants. Il y en a 3 quand même, hein. Putain, mais ils sont sous la terre, c'est pas possible. Non, mais oui, Cobblepot, le pingouin, hein, j'avais compris. Non, c'est pas ça, c'est juste... Il a un accent quoi? Je sais pas, bon, j'avais pas qu'il avait un accent.
tout cas, en français, il n'en a pas. Ou pas deux barrages. C'en était un, ça, non? À droite. J'ai l'impression que mon estomac se digère lui-même. Ça fait des semaines qu'on bouffe que des rations. Arrête de penser avec ton ventre, on a un boulot à prendre. Attends, attends, on va faire un tour en ville, là, parce que... Il a un accent british. Ah, d'accord. Oh non, c'est lui. Là. Ok. On avance. Ouais, c'est pas évident, hein, ces moments où on tourne en rond, là. Mais oui, mais bien sûr, on agresse le gros. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Mais... Niquez-vous. Voilà, German suplex. Tout est mort. On fait peur les trois, là, un peu. Et nia. Voilà. Alors, qui a la zapette? La zapette, c'est lui. C'est pas le gros? Je crois que c'est le gros qui avait la zapette. Est-ce que tu te rappelles quand tu faisais le pingouin en mode pingouin? Dans Arkham Origin? Plus que deux postes de contrôle. Ils n'ont aucune le chance. Pingouin. Genre un truc comme ça? La force brute. Non, je m'en rappelle pas. Non, vraiment, je me rappelle pas en plus. Juste que me connaissant, ça m'étonne pas l'avoir fait en fait. Ça m'étonne pas. Putain, c'est triste, je me connais. Oh merde. Et le pire, c'est que ça me fait rire. Sont répartis dans toute la... Ça veut dire que genre, je pourrais le faire encore aujourd'hui, tu vois. Attends. Putain, il en reste deux. Où sont-ils? Ah, c'était dans Arkham Origin. Oh mon dieu, triste. C'était gênant un peu, non? Des nuages de gaz, des saletés de tombe dans tous les coins, le pollen de Centaur et d'Ivy, sans oublier Batman qui se balade dans sa machine de guerre personnelle. À la prochaine évacuation. Putain, c'est là. Je monte dans le premier bus. La personne qui m'a parlé de. De l'hôpital Elliot a totalement raison. Juste par contre. Ouais, je n'avais pas l'information. Genre, c'est pas marqué le nom des rues, tu vois. Oh putain, y'a un bouclier! Waouh, 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 waouh! Merde. Tac, 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 tac! J'aurais dû prendre la Suisse depuis le début. C'est pas grave. Allez, plus qu'un. Et du coup, le dernier, voyons voir. Lui, je l'ai fait. Plus qu'un poste de contrôle. Il est temps d'en finir. Parfait, bon débarras. Au poste de contrôle restant, préparez-vous. Batman arrive. On va voir. On va voir. Ah oh ouais, yes. Bien joué, Kazma, bien joué. On peut se faire, Batman. J'ai tué des dizaines de types en guérilla. Il vaut pas mieux. Il est mieux équipé, c'est tout. Alors, pardon, deux secondes. Les tours de gué de la milice ont été détruites, monsieur. Nous avons repris le contrôle des toits. Je sais. Merci. Je m'étais juste gouré de molette, Alfred, y'a pas de problème. Ok. Super. Super. Je sais pas où le pingouin. Eh ben ça se passe bien. Ça se passe très très bien même. Chercher ces armes, peu importe combien le chevalier d'Arcap le paye, c'est pas grave. Il faut que je me rapproche. Trop loin. Et ça, c'est pas atteignable en voiture? Un peu quand même, non? Non, peut-être pas. Je sais pas. En fait, ils ont tous des flingues et je me dis vraiment... ça a l'air atteignable et en même... Non, ça l'est pas. Je l'ai vu,
Par contre, vraiment, hein, les deux contrôles de route que je cherchais n'étaient pas sur la route, si on peut dire, en fait. C'est pour ça que c'était misérable. Ok. Techniquement, si on a bien géré notre coup et que tout a été fait correctement, juste après, monsieur dame, c'est Deathrock. Tes commandes. La zapette. Attention, roulement de tambour. Est-ce qu'on est bon? Eh bien, Batman. On est bon. Monsieur, les préparatifs sont terminés. Nightfall est paré. Je vous laisse le soin de décider quand vous voulez rentrer chez vous. Merci, Alfred. Et en plus, on a déverrouillé la mission de fin d'histoire principale, la fin de base. Affronter Deathrock à Grande Avenue, c'est où? C'est où? On est d'accord que là, la fin qu'on a obtenue, ce n'est pas la vraie fin. Je vais m'occuper de toi, Slade. On a accès à la première fois. Ah mais les gars, on va faire les deux. Vous devrez donner le meilleur de vous-même pour le battre. Faire les deux, comme ça on verra la différence. Il est où? Là. Tout en dessous? Bah il t'a pas tout... Oh non, non, pas une feuille ton véhicule! Deathrock, fais mieux! Alfred, relevez les ponts. Il ne partira pas de cette île. Tank Cobra détecté. Oh, damn. Les analyses indiquent que le tank de Deathrock permet une vision à 360 degrés. Il vous sera impossible de le surprendre. Oh mais non, c'est un délire... comme on a fait... comment il s'appelle? L'Arcane Knight la dernière fois, non ce chiant. Avec le déluge, j'étais en train de chercher. Oh fais chier. Prie pour que ta voiture soit invisible. Cobra hors ligne, voilà. J'en ai deux en renfort. Franchement déçu, j'aurais préféré un vrai combat. Mais là ils se croisent en fait. Oh, et il y a son tank. Et il y a son tank. Tu vas finir par en manquer. Aïe! Drone hors ligne! J'envoie un Cobra en soutien! Franchement, je suis un peu déçu de la fight là. À moins qu'il y ait une double fight. Avec par la suite un délire au corps à corps, mais j'aurais bien voulu un corps à corps. Tu auras un mode furtif, Batman? Déjà, la première fois, ce passage était pas ouf, mais alors bon. La seconde va forcément pas me vendre du rêve, si tu veux. Mais toi, d'accord. Tu fais quoi là? Tu tournes sur toi-même? T'es chiant. Il tourne sur lui-même en fait. C'est bon. Il avait du mal à savoir par où aller, il a trouvé. Cobra Nya. HS, on reste en formation. Par contre, attends, il y en a un autre par là. Il y a un véhicule par là, mais genre sous terre en fait. Scan à 360 degrés. Si je te trouve, t'es mort. Si tu le trouves. Around. Si tu me trouves, je te dis. Tu m'as vu passer. Mais c'est tout ce que t'as vu. D'origine, le combat est super. Ah, mais ça me dit quelque chose. Hein. Un vrai combat au point à l'ancienne. Ok, il me reste deux véhicules. Ok, ok, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Il y a un tank qui est réapparu. Oula, 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 attends. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. On va contourner le problème. Peut-être par là. Non, attends, il était où le passage? Là. Voilà. Alors je l'ai pris, alors j'ai vu qu'il y avait un passage. Batman. Batman.
Ils se sont ratés dans Arkham Knight avec la Batmobile pour le combat de Deathrock. C'est pas raté, c'est juste que c'est une répétition en fait, c'est pas... Ouais, on aurait espéré un peu de cœur, un peu d'amour, un peu de... Alors oui, c'est un petit boss bonus. Histoire de dire bravo, t'as fini à Minis. Et de te rajouter le profil d'un perso aussi. D'ailleurs, je me demande, est-ce que ça a pas bouclé tous les profils? Même pas. Non, non, même pas, il manque toujours un profil. Mais chiant quoi. Ok. Il reste le gros daron. Alors, le daron, je suppose qu'il fonctionne exactement comme le premier. Il a des faiblesses de partout. Et ensuite, on déglingue bien comme il faut. Ouais. En fait, la première fois, déjà, le combat m'avait pas fait... m'avait pas fait sauter de joie. Alors bon, la seconde, forcément. Hein. Merde, comment je vais en profondeur? Merde, j'arrive pas à descendre. Attendez. Je connais pas assez la ville pour partir en profondeur, moi. Maintenant, c'est moi qui te traque. Eh ben, traque-moi si tu veux, mais moi aussi, je voudrais bien jouer. Mais merde. On sait qu'il y a une entrée. Là. C'était pas la plus simple. C'est mon travail, Batman. Tu n'es j'ai quand même dû aller chez moi. Ok, on y va. Il est ici. Où est-ce que tu es? Ah, c'est juste un... Oh, ça va! Bah, nique ta mère. C'est nul! C'est tout? Mais t'es tout naze! Non, sérieux? C'est juste ça? Oh, j'ai le mort! Ah, il fallait le faire, donc c'est fait! Mais les gars, c'est Deathrock! Tu n'aurais pas dû jeter l'éponge. Mais c'est Deathrock! Alors, je veux bien, Rackman est trop fort. Ok, ok, un point pour lui. Non, les gars, c'est Deathrock! C'est fini. C'est censé être un combat monstrueux, au moins aussi intense que Red Hood. Et d'ailleurs, Red Hood... genre, t'as toute la hype autour du perso, et au bout du compte, la manière dont on l'affronte, pas ouf. Genre, j'aurais aimé une vraie fight, un peu animée, quitte à faire quelques esquives avec Y, B et tout machin. Parce que bon, le concept de chat perché était sympa, mais c'est pas là-dessus que j'aurais espéré l'affronter vraiment sur un truc royal, quoi. Donc le combat, par rapport à tout ce qui était attendu derrière, aurait mérité bien mieux. Oh non, Deathrock, je suis giga déçu! Debout, Slade. Ah, tu appelles ça une prison, toi. T'es sûr que c'est une bonne idée de me laisser là avec tous ces guerriers de second plan? Il ne te restera peut-être plus de prisonniers quand tu reviendras. C'est pas un bon plan de lui laisser son armure, hein. Bon, bah messieurs dames, je crois que la cage est pleine. Et donc, il fallait compléter les missions de la milice de base pour obtenir la fin dite standard. Et bah, Ratman, écoute, félicitations. Je pense que tu peux être fier de toi. À l'exception de Nigma, nous avons bouclé l'ensemble de ce qui était bouclable dans le jeu. Et juste pour ça, chapeau. Chapeau. Bon travail, Maître. Alors, menace comment... Ah, j'allais dire comment lancer le protocole Nightfall, mais en fait, c'est marqué, messieurs, dames. On est parti? On propose la première fin? Avant la méga fin dans l'épisode prochain qui sera du coup l'épisode bonus final avec Nigma et l'ensemble des choses. Eh ben messieurs dames, pour Ratman... Alfred, bravo. Envoyez la Batwing. Je vais au point de rendez-vous du GCPD. Bien monsieur. D'accord. Le point de rendez-vous du GCPD, c'est où? Viens
Attendez. Parce qu'en fait, quand il y avait marqué activer le projet, je pensais que ça allait déclencher une cinématique ou un bail de genre. Franchement, j'ai hâte. J'ai hâte parce que, vu toutes les personnes qui me disent que la fin classique, la fin simple, n'est pas satisfaisante, j'ai hâte d'en prendre plein les mirettes avec la fin véritable une fois que Enigma sera fait du coup dans l'épisode prochain. Là c'est franchement les gars, la max, je suis content, Deathrock est fait, en plus dans un épisode dédié, on va chier, mais au moins du coup on pourra avoir au passage la première fin, VOD de 3 heures, un petit peu moins parce qu'il y aura des cuts sur des passages vraiment lourdingues, vraiment, ah bah voilà, ah maison, d'accord, nya. Justice. C'est où? Ah bah oui, forcément. Batman, je crois que en temps normal on aurait eu besoin de toi, mais écoute, aujourd'hui ce soir, ce n'est pas toi qui a mené la mission. Et donc pour toi, je vais partir en premier. Et j'attendrai que tu aies terminé ton combat contre Enigma ou Jamie. Ratman, c'est un adieu. Oula, à moins que... Ici Vicky Vale, en direct pour GCN, devant le manoir Wayne, après l'incroyable révélation concernant le Playboy milliardaire Bruce Wayne. De voir Bruce Wayne, l'homme derrière le masque du justicier Batman, rentrer chez lui sans faire de commentaires. C'est comme ça que c'est arrivé. C'est comme ça que Batman est mort. Non ! C'est inadmissible ! Quoi ? Mais genre, tu m'étonnes que cette fin n'est pas satisfaisante ! Donc on fait péter la baraque. En signe de mécontentement, le monde est au courant. Fais chier ! On fait péter la baraque. Le mec, il a trop de sous. Donc attends, comment ça se passe? Il a simulé sa mort pour que Bruce Wayne et Batman disparaissent? Ou que Bruce Wayne disparaisse aux yeux du grand public, mais que Batman persiste? Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Oh, c'est bien dit. Mais en tout cas, c'est très bien, parce que en fait, avec cette fin-là, la boucle est bouclée, et au bout du compte, Gordon... ce qu'il nous a dit là, c'est ce qu'on avait entendu au tout début. Hein. Appréhender tous les criminels les plus recherchés de Gotham pour terminer Batman Arkham Knight et dévoiler tout le protocole Nightfall. Messieurs, dames, on le savait, on a engagé ça en sachant que nous n'avions pas la bonne fin. Ratman, merci pour ta participation. Écoute, grâce à toi, on est passé de genre 76% à 88%. C'est pas dégueulasse. Il nous reste encore du coup l'épisode basé sur Enigma plus la fin
totale, et je suis très content parce que en vrai cet épisode était lourdo, il était longué, il y a eu des passages techniques, je vais essayer de cut des trucs un petit peu chiants, mais cet épisode m'aura permis de marquer quelque chose pour Deathrock, et l'épisode bonus final sur Nigma totalement, sans avoir à m'éparpiller, et ça, c'est bien. Et bah écoutez, merci pour tout, merci pour cet épisode, merci pour cette aventure. Première fois qu'on voit le protocole Nightfall, hâte de voir ce qui va se passer dans la fin véritable, mais incroyable, cette licence est folle, et je comprends que oui, Origin ne soit pas forcément nécessaire, mais c'est quand même dommage, parce que bien qu'Asylum est considéré comme le premier, et que donc à partir de là, les trois jeux estampillés Rocksteady sont satisfaisants et se suffisent à eux-mêmes, c'est quand même sympathique, surtout qu'en plus tout du long, Deathrock nous dit « Ouais, à l'ancienne, tu te rappelles et tout, machin, ceci, cela ». Tu vois, c'est cool, ça fait un petit clin d'œil, enfin, c'est rigolo. C'est, bon, après, oui, la fin de l'histoire, sans compter la cinématique et le protocole Nightfall, l'épouvantail te ramène à l'asile, le Joker se rappelle de tout ce qui s'est passé là-bas. En fait, au bout du compte, dès que tu as terminé Night, tu as envie de te refaire Asylum, et puis ensuite City, et puis Rebelote, etc. Non, franchement, aventure incroyable, hein. Bon, du coup, YouTube, la prochaine fois qu'on se retrouve, on fait toutes les missions restantes de Nigma, à savoir du coup les 11 que tu peux apercevoir en dessous de son titre. Mais tout ce qui est récupération et collecte, on le fera bien entendu en off et ça va prendre du temps. Moins que City je pense, mais quand même. Et surtout, il va falloir réengager les interrogatoires. Et ça, ça va prendre du temps, messieurs dames. 21 sur 243, il y a du taf. Il y a du taf. Allez, de gros bisous. Ciao, ciao. Un défi au dépôt ferroviaire du Chaudron? D'accord, Nigma. Je vais jouer à ton petit jeu et je vais gagner. La vie de Célina en dépend.